Et bonsoir à tous, bienvenue sur Magic Arena FR, comment allez-vous les fous? Pour ma part ça va très très bien, oh j'ai un petit peu le teint jaune-orange non? La caméra fait un petit peu n'importe quoi. Bonsoir à SN Goroshi, à The Inglorious D, à Lancelot, enfin rebonsoir Lancelot, à Crypte, à Maspayo12, à Lonlusboob SP, toujours très bon pseudo, à Junter0, à Darko26. Peut-être relever un petit peu cette caméra non? Qu'est-ce qu'on en dit? Ouais, un petit peu mieux là. Salut KO. Eh ben, je suis content de te retrouver également. Je fais les petites modifs, voilà, histoire que je sois bien centré. Pas du tout. Ah voilà, c'est mieux. Bonsoir, bonsoir à tous. Salut Very Bad Bunny, salut Akatsuki 33. Et puis bienvenue sur ce stream de la rigolade. Ben moi je vais très bien, Verdoche. Salut à toi, salut Marty Zafou. Et puis, bienvenue pour du Momir en fait, tout simplement. Voilà. Salut Neolink77, je n'ai pas du tout. Salut Zedjar. Salut Clionilor, ça va très bien et toi? Salut Shindune. Ça brille moins que la dernière fois. Ah, nice. Ouais, parce que suivant comment je place les lumières, etc., ça fait un peu n'importe quoi. PL, feras-tu un giveaway? Oui, je ferai un giveaway. Alors en fait, on dit distribution de clés bêta dans la description, enfin dans le nom du stream, mais en fait maintenant on n'en fait plus vraiment. Ceux qui veulent une clé bêta, venez nous la demander en message privé sur Twitch. Et du coup, on vous l'envoie dans les 24 heures. Tout simplement, parce que à chaque fois on en faisait, il y en avait quelques-uns, ou il y en a qui étaient en début de stream, qui l'avaient pas, en fin de stream, qui l'avaient loupé, etc. Donc maintenant, venez demander, on vous l'envoie. Et salut Yaneige, comment vas-tu? Hâte de voir ce jeu, je suis un ancien jeu, j'aimerais m'y mettre. Eh ben écoute, tu vas voir de la magie. Je sais pas si ce sera de la belle magie, mais ce sera de la magie rigolote normalement en début de stream. Salut Lucio Ghost. PL et sa barbichette, et oui, regardez cette petite barbouze. Quand je fais comme ça, là, on voit bien le bouc prédominant, n'est-ce pas? À toi l'être brillant. Ah ben, je vais essayer. Et puis voilà. Écoutez, je vais lancer de suite. Hein. Tranquillou bilou, on est déjà 30. Enfin, vous êtes déjà 30, parce que moi, je ne suis qu'un. Folie de Momir. Alors, qu'est-ce que le Momir, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un format entièrement créé à partir de ce personnage, donc Momir Vig. Sur Magic Online, donc l'ancêtre de Magic Arena, enfin, qui existe toujours d'ailleurs, mais qui est très différent, et qui permet en fait, donc, comme le dit la description, vous cliquez sur Momir, vous payez X mana, donc le coût que vous voulez, vous défaussez une carte, et vous créez un jeton aléatoire qui est une copie de n'importe quelle créature de Magic Arena. Et sur Magic Online, c'est de n'importe quelle créature de Magic en général, donc il y a les stratégies. Là, il y en aura beaucoup moins, ce sera de la full RNG, un peu comme un bras de fer d'Hearthstone. Oh! Et puis voilà, sachant qu'au bout d'un moment, on ne peut plus poser un terrain et défausser une carte. Donc c'est intéressant parfois de ne pas défausser une carte au tour 1, pour justement au tour 8 je crois, ou 9, pouvoir invoquer une créature alors que votre adversaire ne pourra pas. Enfin ça dépend. Là je crois que les coûts en mana les plus intéressants sont de 8, sont de 6, 7 et 8 pour les pâtés, ceux qui enlèvent des cheveux, il y met dans la barre, oui, voilà, je fais ça, hop là. Et salut Narcotech, merci qui dit mon prénom en entier, ça me fait plaisir. Bon, vous pouvez dire PL, hein, je vous en voudrais pas du tout. Bonsoir Gélogios, et merci beaucoup à Kinadine qui lance un raid, et j'ai pas dit Kinada, voilà, parce que là je vois bien le chat. Oui, bien sûr Neolink, tu auras ta clé, t'inquiète pas. Et bien sûr Runter0. Merci beaucoup aux 24 pardon, personnes qui nous ont raidés depuis le stream de Kinadine. Donc salut à toi, salut à Kawakawa TV. Et puis voilà, on va momirer tranquillou. Donc j'espère que vous avez compris le principe. En fait, c'est juste full RNG. Et il faut avoir plus de chance. Et surtout, ça se joue quasi uniquement dans les phases d'attaque et de bloc. Le mana que vous posez a une importance pour les capacités activées de vos créatures si vous en avez. Et puis voilà. Salut Simon Jérémy 88. Viking et savoir qui t'aurait de le gentil monsieur Viking. Exactement. Et puis voilà. On va payer avec 500 gold. Donc nouveau système pour ceux qui n'ont pas vu de récompense. Vous avez forcément une carte rare, même si vous faites 0 victoire, et une carte au moins une co, plus 100 gold, 200, 300, 400, 500 et 600. Donc ça donne envie de jouer, parce que si jamais vous perdez, bah, c'est pas grave, vous êtes remboursé hein, pour 500 gold d'une carte rare. Sachant que normalement il faut 1000 gold pour avoir une carte rare d'un booster. Bon là c'est au hasard mais à moitié prix ça vaut quand même le coup. Et puis ça vaut le coup de
participer, de s'amuser, d'avoir des récompenses, n'est-ce pas? Eh bien, on va jouer, simplement. Ce soir, on fait craquer PL. 500 PO la rare, c'est worth it, non? Bah ouais, c'est grave worth it, hein, si jamais vous avez pas mal de gold. Après, c'est aléatoire, hein, donc si vous cherchez une rare dans mon quête, il faut penser que votre booster, il peut contenir... Enfin, votre rare peut venir de n'importe quelle extension. C'est comme un chat à des champs, là, c'est un chat à Pierre-Louis. Exactement. Voilà, donc vous avez le petit bouton là, Factory of Mummervig, et le jeu n'est pas en français? Bah si. Ah, ils ont peut-être pas traduit... Non, ils ont pas traduit, mais en gros c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Du coup, écoutez, on va mettre une plaine, et on va tout de suite commencer par activer ça. La valeur de X c'est 1, et on va dépenser un marais, puisqu'on en a déjà un. Et on invoque une 0-4. Ma foi qui va bien bloquer. On va voir, la fidèle du dieu pharaon, c'est des tokens très importants. Ce n'est pas la vraie créature, parce que si vous leur renvoyez le token dans la main, il ne peut pas être rejoué. Il sera détruit. Il n'y a qu'un seul tour 9 dans le jeu, voilà, donc... Tour 9, il te faut 3 montagnes minimum sur le board et c'est gagné. Quel est le tour 9 du coup qui nécessite 3 montagnes? Je ne l'ai pas là. Salut Babanaise. Ton talent doit nous éblouir. Eh bah écoute, j'espère qu'il va vous éblouir mon talent et bien plus encore. Et qui vous permet d'économiser pour jouer plus tard. Alors en fait, vu que tous les tours, en gros vous avez une main à 7, premier tour, vous faites land, défaussé, vous passez à 5. Tour d'après, vous repassez à 6. Vous dépensez 2, vous passez à 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 0. Donc en fait ça, sur 5 ou 6 tours, 6 tours il me semble, vous allez pouvoir poser un land et jouer. Et je trouve... oui, c'est complètement RNG. Je trouve que les tours 6 sont en général très intéressants. Ça peut être... hop là, X égale 2. Également, j'aurais pu créer 2 tours 1 là, si je veux. Parce qu'on peut utiliser autant de fois la capacité. Ok, une 2-1 qui va mourir sur le brandon fanatique, c'est pas grave. Je trouve que les tours 6 sont en général intéressants. Après, on va voir. On va pour 5, pour tuto les anges. Ouais, les anges aussi. Faut voir en fait. Je me suis pas vraiment pensé sur la question. Mais en général, les tours 6 sont costauds. Quoi. Dinosaure Naya 9-9 avec 3 kappa, dont une OP. Ah bah oui, voilà. C'est pas Guichat, c'est Zakama, je crois. Le deck est le même pour tout le monde ou c'est toi qui choisis les proportionnellement? Non, le deck est le même pour tout le monde, alors que normalement tu peux choisir ton deck pour un petit peu trixer. Hop là, on paye 3. Pour un petit peu trixer justement si t'as envie d'activer des capacités, mais là le même pour tout le monde, 12 landes de chaque. 2-3 initiatives, quand il devient engagé, je peux défausser une carte pour piocher une carte. Une capacité qui ne sert à rien, mais bon. On peut pas invoquer de monstres? Ah bon? Ah oui, only once each. Ok, on peut faire qu'une fois. Il me semblait qu'on pouvait le faire plusieurs fois sur Magic Online. Peut-être que c'est pas la même règle après. Peut-être que je me trompe sur toute la ligne, vous imaginez? Ok. X égale 4. Les tours 4 sont pas mal en général. Bah voilà. Ça c'est un bon tour 4 par exemple. Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Ok, il me faut encore une créature. Et je pourrais activer sa capacité aussi tour prochain. C'est pas mal pour garder mes cartes. Ça peut être des créas que tu possèdes pas. Oui, c'est des créas aléatoires du jeu. C'est pareil sur MTGO. Ah mais autant pour moi. Il me semblait qu'on pouvait jouer n'importe quoi, en fait non. Ah merde, ça se joue que autour de Zakama. Ah c'est dommage ça. Faut que je défausse une carte, j'ai défaussé ma plaine du coup, comme ça je vais garder ma montagne. Je perds 2 points de vie, pas de soucis. Et les 2 créatures volent le monsieur. Il n'y a pas de T10, il y a un T11 et un T12, et meilleurs drops sont T8. Ok, ça marche, Proxime 4. J'ai envie de garder peut-être mon terrain. Juste de créer un token. Quoique, un token c'est faible, mais après si j'attaque avec ça c'est fort. Non, je vais quand même jouer un tour 5. Hop là, pas X égale 1, fou que je suis.
Oh, il y a une bonne créature, une 5-5 vigilance, bon ça valait le coup. Je vais attaquer avec ça et le saucer comme il faut. Oui, du coup, Nicole Bolas, on peut pas le retourner parce que c'est un jeton. Si on utilise sa capacité, bah il va mourir. Au fait, quel est votre métier? Mon métier, c'est magicien à plein temps. Non, à temps partiel, à vrai dire. Et bonsoir, Lord Sot 59. Oh, Lord Sot. Merci beaucoup, je voulais t'envoyer un message. J'ai pu passer un fin de journée. Et salut Jay Sauté. Ça va très bien et toi? J'ai pu passer récupérer le courrier des viewers. Et donc j'ai enfin reçu la lettre que tu nous as envoyée. Merci beaucoup pour ces belles cartes. Merci vraiment du fond du cœur et pour ce petit mot qui nous touche. Je voulais t'envoyer voilà, un message privé, bon, je te l'enverrai quand même, mais voilà, merci beaucoup pour ces petites cartes qui iront dans le cube, qui sont très très jolies. Je pense que là je vais poser mon land. Je vais attaquer. Ça fait quoi ça? Ouais, je m'en fous. Je vais attaquer avec ça et ça. Hey, les commandes marchent. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Et il y a toujours de plus en plus de belles magies. Ok, bah ça je l'éclate. Oui, je l'éclate. Et on va terminer le tour. On créera un petit token en fin de tour. Le gars a eu Benzenlock, il a mené toute sa biblio. Ouais, c'est pas dingue. Pose les landes pour vite arriver à Zekama. Ouais, je pose les landes du coup là. Quelqu'un est chaud pour un Rocket League? Ah bah je possède Rocket League, Funky du 11, donc bon. Si jamais ce stream part en couille, on peut faire ça quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cube? Alors en fait on a un cube, on s'est lancé pour défi de créer un cube avec Val. La liste est disponible sur le Discord, donc si tu n'y es pas je t'invite à aller checker ça. Et donc on a investi un petit peu de sous, on avait 2-3 cartes qui traînaient, mais c'est un peu un défi pour nous parce qu'on a quasiment plus aucune carte. Donc là déjà, de notre côté on a vite buildé le truc puisqu'on est monté à 140 cartes je crois, quelque chose comme ça, pour 360. Et enfin je suppose que tu sais ce que c'est qu'un cube. Si tu demandes. Blessure. Et du coup voilà, les viewers sont libres de participer. S'ils le souhaitent. J'ai pas vu qu'il m'ait posé l'Atlas là. L'Atlas bonne bête, après ça c'est quand même très fort. Hop là, j'attaque avec. Il pourra pas la gérer, il va perdre je pense. Quoi qu'attendez, prochain tour il me tue, non? Ah ouais, j'aurais peut-être dû attaquer, j'avais pas vu que j'étais si bas et qu'il avait eu que des creatures fly. Et Rip. Et ouais, j'avais pas fait gaffe en fait. Ah bah il est fort mon adversaire. Il a eu que des creatures fly et il m'a juste attaqué avec. Du coup en fait il fallait que je discarde un land pour avoir un bloqueur. J'ai mal joué. Et du coup voilà, les viewers sont libres de participer à ce cube en nous envoyant des petites cartes. Ça fait plaisir, on en a reçu quelques-unes. Que j'ai, enfin pas mal même, que j'ai eu aujourd'hui. Moi j'ai pas eu ce problème là, j'ai joué que dimanche mais j'ai pas eu ça Jace. Vraiment fun votre draft de la dernière fois, ah bah merci beaucoup. Et du coup avec ce cube ce qu'on fait c'est qu'on va sûrement faire peut-être des vidéos mais surtout des lives de temps en temps où on joue avec le cube. Je vais essayer que ce soit un peu moins flou pour la prochaine fois mais bon la caméra a ses limites malheureusement. C'est pour ça qu'on a l'idée de faire des vidéos, ça nous permettrait de... Non mais je relance, hein, vous inquiétez pas si on se fait éclater en momir. Hop. L'idée de le faire en vidéo pour me servir en fait de mon appareil qui est bien meilleur que la webcam. Et du coup vous proposer une qualité de visionnage optimale. Mon adversaire joue pas, je pense qu'il veut juste Ramp Zakama. Bon il a raison hein, si c'est comme ça qu'on gagne mais... Je serais très déçu que ce format se résume à ça. Malheureusement. Ah merde, j'ai jeté tous mes Birds of Paradise. Ah, Thomas. On peut jouer que des créatures en ce mode de jeu? Oui. Alors ce format Momir, en fait, on a
tous les deux que des landes basiques qu'on pose et qu'on défausse avec cette capacité, et ça invoque, suivant le coût à X qu'on paye, une créature avec un coût converti de X. Voilà. Bon, du coup, il m'a mis une 2-2 qui me bloque bien. Une 2-2. Ouh, qui engage sa bête, nickel. Comme ça, je peux le saucer un petit peu plus. Et reval. Ce momir, eh bien, écoute, on s'est fait éclater à la première parce que le mec avait que des créas à vol et je pouvais pas les bloquer, j'ai perdu. Ouais, j'avoue qu'avec un elfe, ça fait prendre un avantage de ouf. Bonsoir, un conseil pour contrer les decks mono bleu contrôle. Bah, ça dépend ce que tu joues. Si tu joues vert, essaye de jouer des créatures incontrables. Ou exproof. Et sinon, essayer de l'agresser en jouant plus vite. Que lui. Il y a 2-3. Ah, c'est pas mal ça. Il faut aussi une petite île. Oh, oh, bonne bête. Aucun attaquant. Ah ouais, j'ai eu beaucoup de pertes de ranking malheureusement. Et bon appétit à tous ceux qui nous regardent. Et qui mangent bien sûr. Fun mais nul ce format. Ouais, bah, je vais voir ce que ça donne, j'avoue que ça peut être pas top, mais bon, l'initiative de proposer ça, c'est sympa quoi. Non, IRS ça n'existe pas parce que c'est... Quoique... Tu peux le reproduire IRL, mais bon, c'est très compliqué. Mince, ouais, je vais le faire. J'aurais pu avoir une créature intéressante avec la célérité. Bon, je n'en ai pas eu. J'aurais dû jouer en main phase 1 du coup. Le phoenix il revient pas, ouais, mais c'est une 4-3 fly et rien que ça, ça peut faire le taf. Déjà, ma 3-2 exproof va être sympa aussi. Une fois qu'on aura récupéré toutes nos gemmes, je conseille d'acheter quelle extension. Bah, ça dépend quand le wipe arrive. S'il arrive là, dans 2 semaines. Ravnica. Tout mettre dans Ravnica. Enfin, si vous avez beaucoup de gemmes, non, pas tout. Mais beaucoup, quoi. Donc, plus qu'un dragon, exactement. Et je fais comme le mec qui m'a souillé. Non, c'est pas nouveau, Katuba 94, je sais. Mais dans Magic Arena, c'est nouveau. Faut savoir qu'il y a plein de gens qui connaissent pas MTGO. Et tout ça, donc... Donc, c'est bien de proposer ça aux gens. Bon, je vais bloquer, non ? Ça peut être chiant plus tard. Et en plus, c'est une nouvelle forme de ce format, parce que sur MTGO, c'est toutes les créatures, alors que là, c'est que des créatures de standard, donc c'est sympa. On attaque avec ça et ça. J'ai posé mon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je pense que je peux tenter un drop 6, là. Bof bof, heureusement il a le vol, mais franchement c'est pas dingue comme créature. Enfin, si j'avais full marée, ouais, ce serait dingue, mais là, ce n'est pas le cas. Ah, et ben ça me fait plaisir Dadidic, parce que cette vidéo, on a hésité un peu à la faire, on savait pas si il y allait avoir une audience pour ce genre de vidéo, et finalement il y en a une, et ça fait très plaisir du coup que... Oh putain, regardez, mince, je pouvais buffer mon cheval de cauchemar, le petit cheval de cauchemar. Un drop 6 et un fly, ouais, c'était quand même bof, quoi. Et non, salut Pac Citron, on ne sait pas plus sur l'annonce, malheureusement. On espère que ce sera de la belle magie. Je suppute que c'est pour annoncer qu'il va y avoir un événement spécial, je pense, avec des streamers ou quoi, aux US. Et qui vont annoncer peut-être un peu ce qu'il va y avoir dans la mise à jour du style le Modern Arena, donc avec les cartes qui sortent du standard. Qu'il va y avoir peut-être du scellé sur Magic Arena, des espèces d'avant-première, ce serait cool. On espère l'ouverture de la bêta, mais bon, ça à mon avis, c'est pas prévu tout de suite. Mais ce serait le meilleur créneau, donc bon. Peut-être une annonce aussi, il y en a qui avaient supputé qu'il allait y avoir une annonce en rapport avec le circuit professionnel de Magic Arena, de Magic. Donc peut-être qu'ils vont annoncer, je sais pas, soyons fous, que
le jour 1 du Pro Tour 2019, du premier Pro Tour 2019 sera sur Magic Arena. On peut rêver, je ne sais pas. Du coup, on va défausser une carte parce que ce serait très bien d'avoir un elfe. Eh ben, c'est pas un elfe du coup. Non, le meilleur T impossible, c'est elfe de Dianovar, mais expert lame-feu, je crois, quand même sympa quoi. Deux menaces tous les tours, quoi, en gros. Le Friendly Battle, ce serait vraiment, vraiment dingo. Bah, lui, il a quand même des très bonnes cartes, hein, le monsieur. Hein. Aurore Show. Mettre un petit marais de manège. Le petit marais de manège. X égale 2. Ou une plaine, j'en ai 3. Oh, au moins ça tue bien son bagarreur. Salut PM56, alors ce mode c'est le Momir. En fait on a que des terrains de base dans le deck et à chaque fois qu'on défausse une carte et qu'on paye X, ça invoque une créature à X. Voilà. Tout simplement. Et salut Gandoski, je ne t'avais point vu. C'est un peu chill, ça vous plaît? Alors je vais pas bloquer parce que j'ai pas envie de perdre mes deux créatures. Alors ça c'est... Ouais non, il n'y a pas de marée encore, donc ça va. Ah c'est sympa ça. Ça c'est très très sympa, pas l'attaquant. En T1, il y a aussi un pirate qui donne la célérité. Ouais, ça peut être cool aussi, ouais. C'est grave cool même. Ça marcherait moins bien. Il y en a qui préfèrent taper le carton que de le faire sur version online. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, c'est leur jeu, ils ont envie que ça marche, donc s'ils veulent faire quelque chose comme ça, enfin, je dis ça avec un Pro Tour, mais par exemple, ils peuvent dire aussi premier Grand Prix sur Magic Arena, août 2019, par exemple. Grand Prix, c'est moins impactant qu'un Pro Tour, et ça reste très cool, quoi. Non, rien à voir, Kenizator. Bah voilà, le coquin avait répondu. On va encore prendre deux parce qu'en fait ça nous met une pression de dingue. Ouf, griffe boyeux, pas cool du tout. Alors c'est sympa de surmener pour créer deux petits jetons, donc je pense que je vais le faire. Je vais déjà créer un truc à 3. Mon jeton c'est il. 2 de portée. Si un perdant contre c'est aussi piocher une carte. Ah, dommage. De toute façon je pouvais pas le trigger, mais. Je vais faire ça et fin de tour. Et du coup je vais pouvoir créer deux chatons pour bloquer sa truc qui a la menace. Oui, bien sûr, on peut contrecarrer une créature qui est indestructible. En fait, parce que avant que ce soit arrivé en jeu, toute carte est un sort, à part un terrain. Donc, du coup, si la carte dit contrecarrer le sort ciblé, une carte avec l'indestructible est un sort, ça peut être contrecarré. C'est full RNG, ouais, mais c'est ça qui est marrant. Enfin, moi, ça me fait un peu rigoler, quoi, n'est-ce pas? Ah, je me mets à rire quand même. Non, aucune importance, Simon Jérémy. Je me suis mis à un manga, je vois qu'on parle là de la musique de Fairy Tail actuellement. Recommandé par vous et par un ami qui s'appelle Psycho Pass. Ok, une baleine volante, tout va bien. Eh ben écoutez, c'est trop bien. Je kiffe l'histoire, l'univers, le truc un peu en mode policier, les enquêtes, très très cool. Je kiffe bien, je recommande. Enfin, pour l'instant, j'ai vu que 6 ou 7 épisodes, mais. Mais c'est déjà très bien. Ah, du coup, on se fait quand même casser le cuculin. Hein. Du coup, on va surmener afin de. Ah, j'aurais pu peut-être bloquer puis créer deux. Non, c'est mieux de bloquer comme ça. Hop, là, on tue ça, on gagne 2 points de vie. Ça a le piétinement. Ça, c'est un peu fort, donc on va. On va manger comme ça, et puis on va prendre 5. Et Hunter, PL? Qu'est-ce que j'en pense? Ah, c'est compliqué, tu sais. Voilà. Tu sais que c'est compliqué. Ça s'appelle Psycho Pass, donc Psycho, P-S-Y-C-H-O, Pass, P-A-2-S.
Ok, bon, on s'en est bien sorti. Là, je vais lander et essayer d'avoir un truc qui le vole. À 5, il y a des bons anges quand même. Voilà. Oh, tranquille. Ouais, son effet est assez anecdotique. On taira tes propos sur Hunter. Non, mais en fait, Hunter, je trouve que c'est un peu surcoté. Et il y a une scène ou deux que j'ai pas aimé, mais dans l'ensemble, le manga est grave ok. Voilà, je dirais juste que c'est surcoté pour moi. Après, je l'ai connu trop tard, hein, selon moi. Donc, voilà, quoi, compliqué. Quelqu'un qui a 25 ans qui découvre Dragon Ball, il va trouver ça un peu plat et avec un scénario mou, quoi. Alors que pourtant, c'est incroyable. Bravo PL, je te renie. Je comprends. Ah, il y a la deuxième saison de Psycho Pass qui est sortie, je ne savais pas. Parce que je regarde sur Netflix, donc. Ok, bon bah, j'aime pas quand je commence un truc, savoir que. Que c'est bif bof la suite, quoi. Alors, il a encore eu un truc avec le Fly, lui, il m'en kikine un peu. On va essayer d'avoir un bon truc, là, avec le vol aussi. Ok, bon du coup c'est une 5-5 pour 6 avec un artwork magnifique. Enfin, j'adore cette espèce de ce style un peu estampe japonaise médiévale, très cool. Bah, j'attaque avec rien en fait, mine de rien, mine de crayon. Les deux saisons ont leur propre fin, d'accord. Vous connaissez Berserk et aussi One Punch Man et SNK que je lis en manga qui sont cool du tout. Alors One Punch Man, excellent. SNK, excellent, excellentissime. Berserk, je connais mais j'ai jamais regardé ni lu. Mais il paraît que c'est excellentissime en manga. En animé, apparemment, c'est très moche mais c'est quand même sympa. Je préfère tuer ça parce que c'est une 4-4. Oh, c'est à la portée ça! Ah bah ça l'a porté, ça va manger un petit coup de baleine. Et ça piétine, c'est pas très cool. Alors là, le play le plus intéressant pour continuer à ramper, je pense qu'il faut poser discard en gardant un mana blanc pour activer le petit chat. On envoie une 3-3 qui nous fait piocher une carte. C'est cool. 3-3 vol du coup qui va tuer sa baleine. Très très bien. Et ça, faudra s'en débarrasser, mais ça devrait le faire. Et on passe le tour. Narration des combats dans l'arc des Chimera Ant ralentit tout, je trouve. Ouais, je me suis refait un épisode comme ça. Horrible. Salut Vladnosphère à tuer, bien le bonsoir à toi. Kill la kill. Ouais. Et apparemment c'est très très sympa, faudrait que je me le fasse. Je me suis maté Gurren Lagann. Il y a quelques mois et c'était très jouissif. C'était n'importe quoi, mais très jouissif. 6-6 piétinement, ok. Donc lui, il est abonné à ça, quoi. Il a que des 6-6 piétinement. Ah ouais, si tu joues à Dark Souls et que tu lis Berserk, que là, t'es dans le Dark Ambient médiéval à son paroxysme. T'écoutes ouais, du Dark Ambient avant de te coucher, enfin, t'es au top, quoi. Jojo's Bizarre Adventure, j'ai pas fait, mais je sais que c'est excellentissime. Ouais. Alors, on va activer ça. Et on va bloquer avec le serpent du fleuve et un chat. Ouh, j'ai failli faire aucun bloqueur, j'aurais été fort déçu quand la bise fut venue. Et merci beaucoup à Romain Verger qui vient juste de s'abonner. 5, 6, 7. Donc il faut que je rampe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais Akama, je peux utiliser qu'une capacité. Il y a des tours 8 ou pas? Dites-moi avant que je ne fasse une bêtise s'il y a un tour 8 ou pas. Merci beaucoup, Lancelot. Gros dino blanc. Ah oui! Bah oui, ils étalent pas.
Allez, on tente de l'invoquer. Je sais pas s'il y a d'autres tour 8. Oh, ça va. Franchement, une 9-9, c'est bon délire. Pas d'attaquant. Les artworks de Dark Souls sont une très belle repompe de Berserk. Et ouais. En même temps, dans ce style d'univers-là, c'est dur de totalement innover, je pense. Tellement Berserk a créé de choses que. C'est quoi ton style de manga PL? Les mangas cool. C'est. Ouh, t'en décaisses, c'est ça, jeton. Ok, bah du coup, s'il fait ça, il va juste perdre sa bête. Mon style de manga, j'avoue que j'en ai pas vraiment. Je saurais pas trop vous décrire ça. Je suis tombé des fois sur des trucs, je sais pas pourquoi je regardais, genre Makenki, pour ceux qui connaissent. J'ai maté genre 8-9 épisodes. Parce que je trouvais le principe de l'histoire cool. Et je me suis rendu compte trop tard que c'était juste un manga ecchi où il montrait des boobs et des culottes et qu'il n'y avait aucun fond. Du coup, j'étais assez déçu. Ouais, sinon mon style de manga, je sais pas, j'ai regardé pas mal de choses différentes. Je saurais pas trop vous dire. Alors c'est intéressant d'avoir Zakama, mais en même temps là, j'ai grave envie de retenter ma chance avec un tour 8. Donc je retente. Sachant que mon adversaire bloque à 5 mana. 6 mana, pardon. Oh! Torgar! Torgar, les amis! Oui, 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 oui! Torgar! Sympathique! J'ai envie de saucer avec ça quand même. Hein. Ça l'emmerde bien, ça. Monsieur le magicien, vous faites. Non, je n'ai pas fait un tour des spoilers, je les ai vus. Mais j'ai pas fait un tour des spoilers en début. Si jamais je peux afficher la fenêtre comme l'autre fois, pourquoi pas en parler un petit peu tout à l'heure, entre le momir et la fin de stream, par exemple. Ok, bah écoute, je vais tuer ces deux bêtes sans aucun souci, philosophie. Moi, je ne vais pas mourir des créatures volent, normalement. Ah, moi, je suis celui qui a cru en lui, hein. Il me le rend, c'est normal. Quand t'as un pote que personne n'aime, mais que toi tu crois en lui, au bout d'un moment, ce sera la star. Et il va te le rendre, tu vois. C'est normal. C'est l'ordre des choses, c'est comme ça que ça se passe. Il peut sacrifier pour que ses créas soient indestructibles. Ok. Et du coup, il veut me forcer à sacrifier ça. S'il attaque avec les deux. Mais moi, je veux pas. Je le laisse passer, en fait. Et ouais, du coup, il le fait pas. Combat. Ah, j'aurais pu attaquer avec ça pour gagner un petit point de vie au cas où. Ok. Je vais réinvoquer un truc à 8. Ou à 7. Il y a des trucs à 7? Non, à 8 je préfère. Oh, retorgard. Merde. Bon, du coup, je veux conserver lui et je vais me cibler moi pour gagner un petit point de vie. Je l'adore, mais bon, non, pas trop non plus, quoi. Bah ouais, c'est cool en fait. Quand ils nous annonçaient ça, on était là genre « Oh non, c'est nul, on veut des formats compétitifs, on veut que le jeu avance et tout. » Oh, c'est pas mal ça. Ah non, c'est de la merde. Et finalement, bah, vu la période à laquelle ça arrive, eh ben, on est très content. Et heureusement que ça arrive maintenant, ils avaient bien calculé leur coup. Ou calculé leur cul, ça dépend. Point trop l'info de ce Torgar. Phase d'attaque. Je peux attaquer avec ce petit chat, vous croyez? Non, je vais garder en bloquant. Est-ce que tous les tours je peux faire Torgar? Du coup, on va essayer. Vous êtes sûr? Parce qu'en fait, tous les tours, il met une bête moins forte que Torgar. J'attaque avec Torgar, je la tue. C'est ce qui se passe. Mince! Ah non, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, comme ça, on a Zakama le tour prochain. Je pensais avoir fait une bêtise. Avec les mages d'Arena, bah pour l'instant, rien. Ouais, pour l'animation, pour le stream, c'est très très cool à faire.
Peut-être que si jamais on a le temps, on fera peut-être une petite vidéo fun dessus, histoire de rigoler un peu, mais bon. Combat, attaque. Ça piétine, ça, c'est chiant. Quoique je vais attaquer, il va bloquer, il va mourir, donc. Donc tranquille en fait. Voilà, donc là. Quel putain chaleur! Je suis bête ou quoi? C'est pas grave, les amis. On va arriver à gagner cette partie. Alors. Je te reposte ici car PL est super concentré. Merci, Jace. J'ai un peu taffé testant en quête, demandé que UW Ange Control basé sur votre Night Angel. Il est full post-rotation, même les normes. J'ai gagné pas mal de parties d'affilée. Plusieurs decks Mono et Burn ont même abandonné. En voyant une armée d'anges life-flick leur beauté. Ok, bah cool. Envoie la liste si tu l'as pas envoyée sur le Discord et on checkera ça avec plaisir. Ah, la Lancelot te l'a dit. Du coup, on ne pose pas hein, cette montagne. Hein. Ah, vous avez peur hein, que je fasse encore le con. En drop 10, il n'y en a pas, je crois. Donc là, on fait discard à 9. Oui, et là, on a que Zakama. Oui! Je suis un dinosaure! Et du coup, ça le destuche, mais bon. On va pas se priver pour attaquer. Avec ça. Et ça, parce que s'il veut être bloqué, ça, je vais en tuer une autre, donc ça me va. Du coup, il bloque comme ça. Peut-être qu'il double bloque. Moi, j'en tue un quand même, je suis content. Ok. Ça marche, j'ai sauté, merci beaucoup. Eh bien, bonsoir Darklou, et comme d'habitude, merci d'être passé ce lundi soir de stream. Oh! Bah, très très joli, Palladium Horse. Avec beaucoup trop de texte. Défense talismanique, vol, vigilance, piétinement, et tant qu'elle a pas infligé de blessure, elle a la défense talismanique. Après, moi j'ai une 9-9 qui inflige 3 blessures à ça potentiellement. Je peux quoi, détruire un artefact ou gagner 3 points de vie aussi? Ouais, c'est quand même ok, je crois. Donc là, il peut en bloquer 2. Et donc leur espace, et donc j'ai gagné. Ah, si j'attaque avec toi au tour précédent, je gagnais? Ah oui, je suis bête, j'avais 3 tokens. Oh, c'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! Hop, juste là, je vais activer sa petite capacité. Sniper ça, ça me fait plaisir. On n'utilise pas tous les jours la capacité de cette petite bête. Hop là, tiens, je vais même regagner 3 points de vie, ça me fait plaisir. Et voilà, blessure. Tranquille. Elle peut bloquer que le vol. Et ouais, en fait, je fais n'importe quoi là. Je fais n'importe quoi, les gens, mais vous me voyez faire n'importe quoi. Vous devez me rappeler à l'ordre, me dire OPL, tiens, le train, de me chier dans la colle. Il faut se reprendre. Il faut se reprendre. Il faut jouer carré solide. Trop de pilosité dans ce bouc des monks. Ouh, j'ai l'air malade là, non? Avec la lumière. Ah ouais, une tempête de Milan. Déjà, j'adore le nom. Et je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop trop cool. Un peu cher, mais. Mais très cool. Hop là, non pas se marrer, cette montagne plutôt. Voilà. Salut Trésor213, comment vas-tu? On dirait un mec qui lit pas les cartes. Ben ouais, pour le coup je lis pas les cartes, mais c'est soit les cartes, soit vous. Donc bon, faut faire un choix à un moment. Ok, un très très bel artwork du Short Comber Crab. Le peigneur de rivage du coup. Foray. Oh bah tiens, regardez ce que je fais. Regardez ce tricks. Célérité à ça. Je le surmène. Bim. Plus 3, plus 1, plus 1, le fly. Oh là 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 là, mais c'est combo, mais...
Mais c'est combo ça. Mais c'est combo ça. Ah, j'adore les AMV, je ne sais pas, mais la musique de Ghostman X, j'aime vraiment beaucoup. En voiture, là, avec des grosses basses. C'est très cool. Ah ben, ça va très bien, 13h213. Et plus de 104 magiciens actuellement, mais merci à tous d'être parmi nous, d'être parmi moi. Ça se dit parmi moi ou c'est dégueulasse, je ne sais pas. Petite montagne. X égale 3, on défausse une forêt. Une 2-2 qui n'est pas encore imbloquable, donc je passe le tour. Quoi, ce mode de jeu nous dit Easy Ear. Eh bien bonsoir à toi, ce mode de jeu c'est le Momir. En fait on défausse une carte, on paye X, ça invoque une créature d'un coup de X aléatoire de Magic Arena. C'est dégueu, ok, bon, je le redirai plus. Agrément de la cité, on devrait rapidement l'avoir. Logiquement. Oh, c'est combo ça. Non, je bloque pas. Ok, cool. Je contrôle un artefact. Non, je ne contrôle pas. Donc c'est une 2-4. Bah, ça bloquera bien, mais... C'est pas dingue en fait, donc du coup je vais juste attaquer avec ça pour mettre 3 points gentiment mais sûrement. Et voilà! Non, je connaissais les AMV, Martino, là j'en ai regardé pas mal, mais je connais pas les AMV avec la musique de Ghostman X. DS Casseur de Secours. C'est marrant, c'est un jeu de mots, DS Casseur de Secours. Ça fait à la fois. Allusion sexuelle et à la fois référence. Et salut Val, merci d'être passé. Et à demain du coup pour de folles aventures à notre travail commun. Ouais, j'avoue, tu découvres des cartes des fois. Le Picam, genre, je trouve que cette carte fait très peur, ça fait un très bon monstre. Mais c'est pas dingo quoi. Apparemment tout le monde fait des momires où il y a un joueur qui joue Benzenlock et s'auto-tue, c'est très drôle. Peut-être que ça va m'arriver, du coup j'ai peur d'invoquer un tour 6. Du coup là je vais avoir l'agrément de la cité, c'est bien. Vaut mieux garder une plaine ou un marais? Mieux garder une plaine je pense. Qu'est-ce que c'est? Défenseur? Si je paye 2, il peut attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur. Mais une 4-5, ça sert bloqué par ça. Ça, c'est imbloquable. Ça peut pas attaquer. Et bah écoutez, attaque juste avec ça pour coller 2 points. Et je pense que ça va le tuer petit à petit. Sauf s'il me sort des cartes trop fortes. Non, il n'y a aucun sort. C'est que des landes que tu défausses pour mettre des créatures. Le Pikachu, exactement. Le Pikachu glace. Quel putain de chaleur. Alors là. Blocage. Ouais, je vais bloquer comme ça. Je crois. Voilà. Dans les petites cartes reçues aujourd'hui, il y avait une petite surprise. Une carte en allemand. Il me semble que ça ne vaut rien. Et du coup, ça me ferait extrêmement plaisir de manger cette carte potentiellement. Ok, blessure. Je me suis dit, cette carte là en allemand, ça ferait un très bon repas au cas où le prochain tour j'invoque Benzenlock. Je vous le dis, je vais le tenter. Hein. Ah mince! Ah non, c'est bon, parce qu'il n'y avait pas de marqueur, moins un sur lui. Je suis diabolique. Il met des 3-3, il est fort. Hein. Garder mon gobelin, c'est quand même très important. Allez, attention, s'il y a Benzenlock, je mange cette carte. Ouh, j'ai eu très peur. 4-3 vol, quand il affiche des blessures, il se défausse d'une carte au hasard. Et s'il peut pas, je pioche une carte. C'est très fort, ça.
C'est très très fort et je vais lui donner la célérité tout de suite. Et je vais attaquer avec ça, ça et ça. Je suis mort sur board ou pas? Il me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, pas du tout. J'ai un bloqueur en plus. Il passe à 3, il va se défausser d'une carte. Ça, c'est très très bien. Juste pour savoir, vous faites encore gagner des clés bêta. J'aurais aimé prendre. Jouer aussi, mais du coup. Bien sûr, on fait gagner. En fait, on ne fait plus gagner de clés. On les donne directement. Donc, Gandowski, envoie un message à Valpl Magic Arena FR sur Twitch. Tu nous envoies un message privé, un MP. Et en nous disant salut, j'aimerais bien une clé bêta. Et nous, dans les 24 heures, on t'envoie une clé. Voilà. Ouais, j'avoue que je peux avoir un petit shawl de cauchemar 0-0. Alors, bah ça fait rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aucun bloc. Alors que je pourrais tuer une bête, mais je lui montre clairement que je ne le respecte pas. Et puis voilà. Pioche. Et parce que je suis joueur. Au lieu d'attaquer et de gagner, j'ai invoqué une bête à 6. Pour voir ce que ça fait. Ouh! On a eu peur du Benzenlock, mais non, pas du tout. Du coup, petite phase d'attaque avec ça. Ça suffit, gentiment mais sûrement. Pif! Bien joué mon adversaire. Finalement, on fait une remontada là, on s'est pris une défaite et on est à 3 victoires là, tranquille. Drink bar. C'est vrai que je change cette icône là et. Il m'a saoulé ce Tezzeret. Avec son espèce de moulinex là au bout du bras. Marais, comme ça mon petit cheval de cauchemar sera costaud. Salut Magic Salt, comment vas-tu? X égale 1. Oh, bon tour ça aussi. Oui, j'ai reçu ton MP Junter, mais en fait c'est pas moi qui ai les clés, déjà c'est Val. Et vu que Val ce soir n'est pas dispo et demain travaille toute la journée et stream le soir, il te l'enverra sûrement en fin d'après-midi demain, la clé. Donc j'ai bien reçu ton MP. Mais tu devras un peu patienter pour avoir la clé. Lien de vie 1-4. Ok, ça bloque bien. Salut Purple, salut, pardon, Purple. Pas salaud, excuse-moi. Quand c'est MTG, il y a un peu plus d'une semaine, j'ai créé un deck bois et maintenant j'aimerais faire ce deck. Hop, je regarde ça. Ok, donc on n'est pas très agressif, hein, ni lui ni moi. Et ça, c'est très fort. Ah, une 2-3 fly qui peut pas bloquer les créatures artefacts. Ok, bon, j'en ai cure. Dimir Control, ok ouais, bah c'est sympa. Après, ce deck ne sera plus d'actualité d'ici 2 semaines, puisqu'en fait il y a une rotation. D'ailleurs, il y a une vidéo qui t'expliquera ça, qui va sortir vendredi. Donc du coup, si tu as des cartes à investir, enfin si tu dois investir beaucoup de cartes, je te le déconseille, puisque tu risques de les investir pour rien en fait. Je te conseillerais plutôt d'attendre 2 semaines, et dans 2 semaines de voir les nouveaux decks qui te plairont à jouer. À moins que tu investisses de l'argent pour le faire, et dans ce cas-là, bon... Bah. Mets-toi bien, quoi, si tu le souhaites. Salut Arcodia. Eh ben, je n'avais pas vu que tu... Que j'ai joué contre toi. Oh, j'ai mis un marqueur, bah, là-dessus. Et, ben, écoute, félicitations à toi. Je suis anglais. Avec Google Traduction, d'accord. Ben, en tout cas, c'est très gentil de venir passer le bonjour. Oui, j'ai vu la rotation, oui, de toute manière, non. En fait, la rotation, ça veut dire que plusieurs cartes ne sont plus jouables, déjà. Dans le format standard, normal. Et un wipe, on ne sait pas quand il va avoir lieu. Donc si tu veux investir en pensant que le wipe, c'est dans 2 semaines, vas-y. Après, tu prends le risque que le wipe soit pas dans 2 semaines, et du coup, tu investis, entre guillemets, pour rien.
tout ça pourquoi? Pour rien. Ok, je vais pas lire les faits. Il y a plein de textes, j'ai pas envie de savoir. Je préfère garder la surprise. C'est quoi ça? -1/-1 sur une créature que je contrôle. J'ai bien envie d'avoir ma 5-4. Et ça, ça met la pression. Ouais, ça, tant pis, ça deviendra une 0-3. Je connais cette théorie. Il m'a double bloc. Du coup, je vais lui tuer ça. Je sais pas si ça peut trigger, mais je lui tue. Dans le doute. Deux archanges à bassine folle, ça vaut combien juste pour ne pas me faire avoir? Je saurais pas te dire là. Oh, il va me tuer avec ça parce que tous les tours il va pouvoir faire land bête alors que moi non. Ouais, Magic Card Market, très bon site pour voir le prix de tes cartes. 5-4, affliction 3, et il doit attaquer à chaque combat si possible. Ok, c'est fort. Mettez un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Il inflige 3 blessures à une cible adversaire au Planeswalker. Ok, bah on va lui remettre un marqueur là-dessus. Il est -1/-2. Et 3 blessures à mon adversaire. Ok, c'est pas mal, ça me permet peut-être de garder la tempo. Merci d'avoir traduit Xor. Je t'avoue que j'aurais pu le faire, mais l'idée ne m'a pas traversé la tête en fait. Affliction 3. En fait, j'économise que 2 points de vie si je bloque, donc au final, je préfère garder ma bête pour l'instant. Elles resteront job sur Arena, elles seront pas supprimées. Par contre, elles seront pas dans le format standard. Allez, on tente le petit Benzenlock là. On le veut. Il faut ça marrer. -4, piétinement, célérité. C'est pas mal ça. C'est rigolo ce mode de jeu. Ouais, c'est grave rigolo. Après les cartes de la DX, je dois quand même. Ah, si tu. Oui, si t'as rien à craft, t'as pas les Scarab God, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Du coup, je pense que c'est une decklist très sympa. Alors, un marais, oui, soit. Oh, il a bloqué, ça m'arrange de lui avoir tué ça. Les bloqueurs, bah non, toujours pas. Non, ça redonne pas de PV à l'adversaire. C'est une aide visuelle, surtout pour... Si jamais tu veux mettre un marqueur, vu que tu sais qu'il part de -1, le marqueur +1/+1, ça va juste se mettre à 0. 7-7, il peut pas être bloqué par les créatures de force inférieure ou égale à 2. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a des tours 7 intéressants ou pas? Je vais mettre une île. Je me rappelle pas là s'il y a des tours 7 cool. Oh là, le micro, pardonnez. Et vous êtes 113 à me regarder, incroyable, merci beaucoup. Tente le coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vas-y, je tente. -7 fabrication 1, donc je peux avoir une 6-8. Ouais, cool. Et je crois que je vais regard 1. En fait, ouais. Ça a rien de regard. Je suis bête. Donc
je peux pas attaquer, sinon je me fais... Oh, quoique, il m'en tue une. Je lui mets... Oui, il va tuer celle-là, je pense. Même s'il bloque là, je lui mets un, je tue une bête. Non, ça vaut pas le coup. Et ouais, je tente. À la rotation, les wildcards... Non, elle ne dégage pas, sauf s'il y a un wipe. S'il y a un wipe, oui, c'est tout part. Vizir déconsacré. Ouais, ça fait rien. Du coup, c'est une 2-4 pour 4. Oups. Il a pas payé le bon prix, je pense. Ou il veut me trixer. Bah, moi, je vais prendre le bloc. Hein. Il voulait peut-être double invoquer, il a pas lu. Écoutez, je vais encore invoquer un truc à 7. Ah bah voilà. C'est un bon drop 7, ça. Une 7-7 vol. Je peux me dévosser d'une carte pour que... Ouais. Je peux attaquer avec ça. En vrai, il peut bloquer, il se passe rien. Ouais, aucun attaquant, j'attends. On est dans le flou total, on voit rien. Mais ils vont communiquer dans 2 jours, donc on a hâte de savoir. En fait, ça dépend de ce que fait ton adversaire, des bêtes que t'as eues, des bêtes qu'il a. Voilà, le vrai but apparemment, c'est de faire ça, parce que là, par exemple, tous les tours, il va pouvoir me mettre 3 à une créature. Et ça a la portée, cette saloperie, donc ça peut me bloquer ça, quoi, horrible. Il va pouvoir me mettre 3 à une créature ciblée. Donc c'est très chiant, ça piétine, ça vigile, mais bon. Je suis en fâcheuse posture. Je pense qu'il faut que je continue à mettre du board. Oh, c'est pas mal ça. Quand il attaque, tout a la double initiative, donc aucun attaquant. Ah mais il va me le tuer, je suis bête, c'est une 3-3. Eh ouais. Le wipe, c'est... salut Cornide. C'est au moment où la bêta va être en bêta ouverte, ils vont effacer toutes les cartes qu'il y a sur le compte, tous les decks, tous les white cards, tout ton rang, tout tes gold, pour que tout le monde reparte de zéro en fait. 9-9, du coup faut que je bloque ça quand même. Là j'ai 9. Non, peut-être mieux que je garde ça en fait. Là, il peut... Ah non, il peut mettre... Non, de toute façon, il pourra me tuer que deux bêtes. Qu'une bête, pardon. Donc, ça devrait être un bon bloc. Il va en remettre une, je suppose. Ouais, ouais. Il est fort en pomme. J'ai pas misclick. Enfin, j'ai misclick, j'ai pas misplay. Parce qu'en fait, ma souris, des fois, le bouton qui lâche. Du coup, je voulais juste prendre ma plaine, je voulais pas la poser. Et... Compliqué! Bah du coup j'attaque avec tout ça, puisque tout a la double initiative. Donc ce qui devrait être, être efficace. Ou peut-être pas en fait. Maintenant que j'y pense. Il peut reposer Zakama. Ah mais non, je pouvais pas bloquer ça. Mince. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Il aurait pu péter l'Arthus pour 3 et tuer une autre bête, donc survivre, ouais. En plus il a misplay, mais il a mieux joué que moi, parce que, bon déjà il a fait une value de ouf. Mais il a pu mettre Zakama et s'en servir bien plus tôt que moi, du coup compliqué. Et qu'est-ce qu'on a comme rare? L'Arche d'Oraska, ok. Et on nous fait petit booster M19 tout de suite. Jugement infernal. Pas dingo. Du coup, toujours sensible, merci beaucoup à tous d'être parmi moi.
Non, c'est dégueulasse, j'avais dit que je le disais plus. Ça fait une petite heure qu'on est sur ce stream, je vais faire une mini pause le temps d'aller chercher à boire. Parce que j'ai très soif, et salut Titaou, et ce n'est pas Val, c'est PL. Val, c'est demain soir, 21h. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker son stream demain, 21h, de la belle magie en perspective. Et ensuite, je vais relancer un peu de Momir, si ça vous dit, parce que moi, je m'amuse bien. Si ça vous dit pas, je lance autre chose, sachant que là, je vais rester jusqu'à 23h à peu près pour le stream. Du coup, voilà, petite pause, je reviens dans une minute, à tout de suite. Et re le chat, j'ai mis mon petit ventilateur parce que comme disait Jay Sauté, quel putain chaleur. Si vous entendez le soufflement, dites-moi, je le coupe, hein, je le tourne. Je ne voudrais pas que ça vous dérange plus que de raison. Et du coup voilà, qu'est-ce que vous voulez voir? Du ouais c'est fun, un peu de construit. Vous parlez danois? Ouais, je sais, il faut que je change, j'ai des trucs à faire. La chaîne YouTube. YouTube. Ah mince, j'ai fait une... La chaîne YouTube, j'avais pas fait gaffe, j'ai fait une typo. De l'étude des spoils. Ah, vous voulez qu'on parle des spoils, ouais. Alors attendez, je check ça. Alors... Quel guide je préfère dans Ravnica? Alors dans Ravnica en général ou dans l'extension là? Ah, il y a des petits spoils que j'avais pas vu, tiens. Ah, il y a une carte en double. Spoiler time. Comme c'est bientôt la rotation, je me dis que de toute façon c'est une bonne manière de s'amuser. Eh bien écoutez, je vais parler un peu des spoils et s'il me reste du temps, je relancerai un petit peu de Momir tout à l'heure. En général, je pense que mon style de jeu en ce moment, j'aime beaucoup Golgari. Ouais, c'est Golgari, Simic aussi très sympa. Mais j'adore Golgari. Après, en vrai, j'aime tout. Hein. Alors, où qu'il est? Il est là! Ah mince, il fait n'importe quoi. Voilà. Tranquille, vous voyez assez bien, vous voulez que je zoome un poil? Ouais, c'est bien comme ça. Tout le monde a ce poil. L'association de couleurs que tu joues le plus? En vrai, non, j'en ai pas vraiment, parce que je joue un peu tout. Celle que je préfère jouer, ouais, je dirais que c'est Golgari en ce moment. Sinon, la tricolorité que je préfère jouer, c'est Sultai ou Bug, donc bleu, noir, vert. Parce que j'aime bien Dimir et Simic et Golgari, donc les trois en même temps, c'est cool. Abzan, j'aime beaucoup, beaucoup le style aussi. Selenia, j'aime beaucoup l'idée des bonnes bêtes, mais souvent ça manque un peu de peps, alors le noir, ça rehausse le tout, quoi. Alors en fait ils ont mis une photo sur Twitter que j'ai mis sur le Discord avec caché dans un faisceau vert, on dirait un truc de Nissa ou de
ou de Vivian Reid. La date 9-19, donc c'est en date américaine, du coup ça fait 19 septembre. Donc dans deux jours, il devrait y avoir une annonce. Et on ne sait pas de quoi. Alors, on commence avec le Abafamento Malicioso. Marika Instantanea. Éphémère pour 4, contrecarré le sort ciblé. Si ce sort était contrecarré de cette manière, exilez-le à la place de main dans le sort. Vous pouvez mélanger jusqu'à 4 cartes ciblées depuis votre cimetière dans votre bibliothèque. Un contre pour 4, c'est cher. Il exile, mais il y a déjà des contres qui exilent pour 3. Enfin, qui ont existé en tout cas. Je sais pas si le fait de mélanger 4 cartes, c'est value, honnêtement. J'ai pas envie de parler trop longtemps de cette carte, ça m'inspire pas. À moins qu'il y ait une espèce de combo à faire pour pas mourir ou à la meule ou quoi, mais je crois pas, même pas. Ouais, j'ai l'impression que Boros, ils ont... Parce qu'à chaque fois, Boros, ils sont là genre « Ah, regardez, Boros !» Et tout le monde fait quoi ?« Non, en fait, on s'en fout de jouer ça, on va jouer que rouge ou que blanc. » Donc là, je pense que Boros va enfin avoir un truc avec une carte qu'on va parler tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup. Abzan, ça va être quelque chose, je pense, et je peux pas vous la montrer parce que c'est la liste d'un ami et je pense qu'il voudrait pas que ça se propage. Mais il a monté une liste d'Abzan qui teste actuellement avec les cartes de Ravnica contre des gens qui jouent des cartes de Ravnica sur Cocatrice. C'est un logiciel en fait qui permet de jouer des cartes en avance. C'est gratuit, mais c'est vraiment très très dur à manipuler. Il y a aucune phase en fait, c'est vous qui manipulez les phases, qui parlez avec votre adversaire pour lui dire que vous avez une réponse et tout ça. Enfin bref. Du coup. Il teste un deck Abzan midrange et la liste qu'il m'a montré est très belle et il m'a dit que c'était le deck le plus fort actuellement de la méta. Quoi. De la méta qui n'existe pas, mais bon. Alors, Gear for Battle. Mettez un marqueur plus 1 sur chacune de jusqu'à 2 créatures ciblées. En rituel pour 1, c'est très très correct. En draft ou scellé, ce sera très fort, je pense. En limité, bah, ça aurait été éphémère, pourquoi pas. La sorcerie, c'est pas assez fort, je pense. Etrata, la silenceur. Abzan, c'est noir, blanc, vert. Alors, pour 4 mana, une 3-5 qui ne peut pas être bloquée. Donc déjà, sympa, vampire assassin. A chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, exile la créature ciblée que ce joueur contrôle et mettez un marqueur coup sur sa carte. Ce joueur perd la partie s'il possède au moins 3 cartes exilées avec des marqueurs coup sur elle, le propriétaire des gratas. Mélange Etrata dans ses bibliothèques. Pardon. C'est sympa, bonne bête, mais le fait qu'elle se mélange quand elle inflige des blessures de combat. Oui, Jund, j'adore aussi. C'est ma tricolorité équivalente avec Bug. Jund, donc Jund, pour ceux qui ne savent pas, noir, rouge, vert. Je sais pas quoi en penser. C'est légendaire, donc on peut pas en setup 2 sur le board et, ou 3 sur le board attaquer. Le cheveu, le foire tout, voilà. Sinon, ça aurait été une bête très sympa. Après, bon, on pose une 3-5. Si elle avait la sérité, pourquoi pas. Mais là, on pose une 3-5 qui doit partir un tour. Elle va mettre 3, exiler une bête. Elle se remélange. Après, pour 4, vous exilez une bête, vous collez 3. Et ça donne une condition de victoire plus tard. Pourquoi pas, mais bon. Mais je pense que c'est trop lent. C'est pas intéressant. Azada Marshall. Alors... Le texte ne se met pas à jour. Il y a un petit peu de mal. Il y a beaucoup de gens en même temps sur le site, à mon avis. Donc, ouais, c'est vrai que tu peux la blink, la remonter en main. Mais à mon avis, ça vaut pas le coup de mettre toute cette stratégie en place, quoi. Ouais, c'est la fatigue, exactement, quoi. Bon, bref, sans pis. Alors, 1-1 pour 1. Quand lui et au moins deux autres créatures attaquent, vous créez un jeton 1-1 soldat qui est le lifelink. Ouais, c'est un drop incorrect. Si ça avait été juste une autre créature, ça aurait été bien. Là, c'est deux autres. Généralement, les tours 1, une fois qu'ils attaquent, ils se font bloquer, ils sont morts. A voir. Ouais, en ce moment, Magicville... De toute façon, dès qu'il y a les spoils, les serveurs de Magicville en prennent un coup parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur leur site, comme il est top. Et du coup, un peu de mal, quoi. Alors, 1-3 fly pour 3. Quand il attaque, target attack creature with fling and fly. Ok, donc vous donnez le fly. Bah, c'est un peu comme le Pégase, en fait. Bah c'est exactement comme le Pégase en fait qu'on a déjà dans N19 et Dominaria. Baguette de vertèbre, alors j'aime bien ça, je pense qu'on peut faire quelque chose de marrant, mais
mais je ne sais pas encore quoi. Mais déjà, le dessin est stylé. Ego à la dérive. Ça, c'est très sympa, mais c'est une carte de side, à mon avis. Choisissez un nom de carte, cherchez dans le cimetière la main et la bibliothèque de votre adversaire, de l'adversaire ciblé, jusqu'à 4 cartes avec ce nom exilé. Ce joueur mélange sa bibliothèque, puis pioche une carte pour chaque carte exilée depuis sa main de cette manière. On a déjà vu des sorts similaires, et à chaque fois, c'est des cartes de side. Je pense pas que ce soit joué main deck, ou alors par des coquins. C'est joué main deck, ce genre de carte, quand vous tombez sur des decks top méta très souvent. Par exemple, si vous savez que votre adversaire, qu'il y a une chance sur deux pour que votre adversaire joue mono rouge, et que s'il joue mono rouge, il joue Goblin Chain Whirler, vous pouvez jouer main deck égal à dérive, parce que vous savez que sur une partie sur deux, vous allez faire ça, vous dites Chain Whirler, et le mec il perd toute cette Chain Whirler. Intéressant aussi, cette carte, si vous la jouez en x4, vous enlevez 16 cartes dans le deck de votre adversaire. Donc c'est intéressant. Mais je sais pas si ça passe le cut main deck, à voir. C'est vrai que tu peux exiler des landes avec. Intéressant. D'habitude, tu peux pas exiler de landes, donc c'est pour ça que j'avais pas tilté, mais. Après, tu peux exiler que les landes qui sont pas encore posées. Suivant quand tu joues ça, ça peut juste aider ton adversaire. Tu peux aussi lui pourrir la main. Mais bon, c'est très très risqué. Si t'as pas scouté la main de ton adversaire avant, c'est risqué de faire ça. En moderne, ouais, par contre, très fort. À mon avis. Enfin, donc on des decks spéciaux, bien évidemment. Et on va relancer cette petite playlist qui s'est arrêtée. Tempête 2000, hein, j'adore. Enchantement pour 6, ça en bleu rouge. A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, copiez-le pour chaque autre sort d'éphémère ou de rituel que vous avez lancé avant lui, ce tour-ci. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Je pense que tu peux faire quelque chose avec ça. Mais c'est lent, parce qu'il faut le poser à 6 et rien faire en même temps. Et par contre, le tour d'après, vous avez 7 mana, vous pouvez partir en couille. Vous faites opt par exemple, ensuite foudre, vous lancez deux foudres, ensuite vous lancez un truc qui boons, vous lancez, enfin du coup vous boonsez trois créatures, donc pour 1, 2, 3, 4, 5 mana, il vous reste 2 mana si vous êtes au tour 7, vous pouvez refaire une foudre, et du coup vous avez mis 6, plus 4 fois 3, 12, vous avez mis 18, si vous faites double kick avant, ouais, vous pouvez OTK l'adversaire avec ça. C'est pas mal. Ça requiert des conditions, mais franchement, il y a de quoi faire de la belle magie. Hein. La vidéo a 800 milliards de dégâts. Ouais, pourquoi pas. Avec la tempête de Milan. Visite divine. Pour 5, un enchantement, si au moins, si au moins un jeton de créature devait être créé sous votre contrôle, autant de jetons de créature 4-4 blanc ange avec la vol, la vigilance sont créés à la place. Artwork très beau. Carte compliquée à jauger, je trouve. Mais moi, je pense que ça peut faire quelque chose de très sympa. 500 milliards de dégâts avec cette carte. Alors nous, on a déjà fait dans notre vidéo techniquement 4 billions. De dégâts, donc 500 milliards, c'est un petit peu c'est du petit lait quoi pour nous. Tu peux contribuer peut-être votre vidéo pour Reach putain de 10,000 damage. Visite divine, pourquoi je pense que ça a un potentiel si Selenia, enfin si Convoque est joué, parce qu'il y a un sort de Convoque pour 3, dont un vert de blanc et X. Vous avec la Convoque, vous invoquez X jetons de créature 1-1. Du coup, si vous avez ça sur le champ de bataille, vous pouvez faire Visite Divine. Sur le champ de bataille, je sais pas, j'ai 5 créatures. J'engage les 5. Du coup, au lieu de créer 2 jetons à 1, je crée 2 jetons 4-4 blanc, ange, vol, vigilance. Au tour 5, c'est trop fort. Il vous faut que 2 cartes. Et 5 créatures. Mais bon, si vous jouez Token Selenia au tour 5, normalement, vous avez 5 créatures. Je me fais pas de soucis pour ça. En plus, vous avez des sorts. Pour 3, vous créez une bête avec la convoque aussi. Donc ça aide à accélérer votre jeu. Je pense que ça peut faire des sorties pétées. Mais ça peut aussi ne rien faire et être trop lent. A voir. Si la méta est un peu moins aggro, un peu moins aggro, je pense que ça peut vraiment faire de la très belle magie. Mais ça peut aussi ne rien faire du tout. A voir. Discovery. Alors, est-ce que je vais avoir le texte? Sinon, ça va être. Il va falloir que je penche la tête.
Bon, j'ai pas le texte. Du coup, soit pour deux manants sans souris sur Veil 2, puis Pushing Guard, un bon cantrip, je trouve. Ça se joue très honnêtement dans des decks, ça. Enfin, si on trigger un peu sur Veil et tout ça. S'il y avait encore une unité de procession, ah, ce serait pété, là. Et pour 5 manants en instant, chaque adversaire retourne un permanent non-terrain qu'il contrôle avec le coût converti en mana le plus élevé, puis défausse une carte. Il y a plein de cartes comme ça dans toutes les extensions Ravnica, généralement c'est pas joué. Après, pour le fait que ce soit un cantrip en début de partie, soit un moyen de gérer entre guillemets une bonne bête en fin de partie, ça peut être sympa. À voir. Par exemple, ça gère facilement un carnage tyran. Si le mec a plus de mains, vous faites ça, il reprend son carnage tyran, il le défausse. Mais bon, je trouve que c'est un petit peu à dada, quoi. Hatchery Spider. Pour 7 mana, 5-7 portée avec l'Undergrowth, quand vous castez ce spell, donc même s'il est contré, la capacité est lancée, très important. Révélez le top X card de votre bibliothèque, X étant le nombre de créatures au cimetière bien sûr. Vous pouvez mettre un permanent vert en jeu avec un coût converti de X ou moins. Et mettez le reste au fond de votre bibliothèque, en dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Alors poser à la main, c'est un monde, 7 mana. Mais si on peut la réanimer du cimetière... Ah non, c'est cast, donc du coup on est obligé de la caster. Dans ce cas-là, c'est un peu un monde, mais bon, c'est une 5-7 reach pour 7 qui va forcément mettre un pâté. C'est when you cast, parce que sinon, vous auriez pu faire Hatchery Spider sur Hatchery Spider sur Hatchery Spider. Donc ça aurait été trop fort. Je pense que c'est trop cher, malheureusement. Si ça avait coûté 6, avec des stats un peu moins fortes, ça aurait pu être très sympa. À voir. À voir si on peut trickser peut-être avec ça, mais à mon avis c'est un body qui coûte trop cher. Enfin, c'est une carte qui coûte trop cher. Alors on a le Colossus, donc 0-0 pour blanc, un blanc vert X, et qui arrive avec X marqueur +1/+1 sur lui, et qui est la convoque, je crois. Ouais, qui est la convocation. Bah ça peut être sympa, ça peut faire un bon pâté. Le piétinement aurait été très sympa. C'est une bonne carte de draft, à mon avis, de sceller en construit difficile. Les Dragonauts, Fairy Wizard. En bleu-rouge pour 3, une 1-3 fly, et quand on casse à l'instant de sensory, il y a une +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Ça peut être un kill dans un deck budget sympa, à voir. Je sais pas si j'ai perdu le chat ou pas. Donc si vous êtes toujours là. Toujours 85 viewers, merci à tous. Justice Strike... Mieux voir en traduction, ouais, exactement. Justice Strike, du coup, pour 2 en l'instant, un blanc à rouge, la créature ciblée s'inflige des dommages à elle-même équivalent à sa force. Pour 2 mana, c'est un anti-bête qui gère tout ce qui est ce qui a une force équivalente à son endurance ou supérieure à son endurance. Sinon, ça peut faire un trick pour finir une bête, mais je trouve ça honnêtement assez mauvais. À part, encore une fois, en construit et en limité en draft. On est là, yes, une Glorious Deed. Voilà, pas grand chose à dire d'autre. Et la carte, attendez, je regarde si j'ai beaucoup de trucs à dire. Non, j'ai plus trop de cartes. Je vais finir là-dessus. Donc ça, j'aime beaucoup, moi. 2-2 vol pour 3. A chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. De la bibliothèque de ce joueur, pardon. Exilez l'une d'elles face cachée, puis mettez le reste dans son cimetière. Donc déjà, on fait meule 2, enfin meule 3. Et tant que cette carte reste exilée, on peut la jouer comme Gonti en fait. Donc c'est sympa comme carte. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, si le voleur de sanité meurt, on peut tout de même jouer la carte exilée comme Gonti. C'est pour un de moins que Gonti, ça a fait l'effet au tour 4 aussi. Sauf que Gonti, il fallait attendre le tour 5, là on peut tout de suite jouer quelque chose. Et dans une méta plus midrange, jouer au tour 4 une carte de votre adversaire qui coûte 4 par exemple, c'est très intéressant. Donc ce voleur de sanité peut être une petite saloperie, et il peut aussi rien faire, à voir. Enfin, je dis beaucoup ça pour beaucoup de cartes, en même temps là c'est dur de se prononcer. L'éclair du flambeau. 2 bicolores très cher, ouais, c'est vrai que c'est un peu cher en plus. Je peux pas aller au Yémen, je suis analyste financier.
Pour 3 en rituel, il inflige à une créature un nombre de blessures égal au nombre de d'éphémères et de rituels en cimetière et dans l'exil. Et il a le jumpstart, donc relancé. Pas très bien, à part en draft et en scellé, comme toutes les cartes bicolores en fait, quasiment, qui sont unco. Ensuite, ouais, il y a des trucs, je vais pas parler de tous les spoils, il y en a beaucoup. Je vais parler des deux plus intéressants selon moi encore. J'aime bien le renouveau bourgeonnant aussi. Assurance, donc pour un deck midrange, je trouve cette carte très forte. Pour 2 mana, vous mettez un marqueur +1/+1. En plus, en 2 mana hybride et la créature à l'indestructible, donc vous empêchez un anti-bête, vous faites une value avec votre créature, trop bien. Et sinon, en éphémère, pour 6, vous créez 3 jetons 2-2, vert, blanc, vigilance, chevalier. Trop bien. C'est vigilance, ça trigger chevalier, c'est 2-2. C'est en éphémère, donc vous pouvez le faire en phase de bloc ou en fin de phase d'attaque, ou en fin de tour de votre adversaire. J'adore cette carte, perso. 6, c'est un petit peu cher, mais pour ce que ça fait, c'est très honnête. Et enfin, on finit avec ça. Je voudrais voir le nom de la carte, si possible, si elle a été traduite. Golerey est le meilleur anti-tout. J'avoue. Tu payes avec ta couleur, la créature exilée de l'adversaire. Non, tu payes avec n'importe quelle couleur. Mini Dragonaut, et non, c'est pas cette carte-là. Bon, je clique dessus, du coup. Voilà, en espérant que ça fasse pas ça. Allez, Magic Ville, s'il te plaît. Sois un peu vivace. Bon, tant pis. Du coup, je peux vous parler de la carte quand même, hein, je la connais. Pour 3 mana en éphémère, pour 1 rouge, 1 blanc, vos créatures ont l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Après ce tour-ci, jouez un tour supplémentaire. À la fin de ce tour, donc de votre tour supplémentaire, vous perdez la partie. Le Pornhub, enfin, ben non, pas du tout. Mais pas du tout. Et qu'est-ce que je disais? Oui, Chains of Glory. Ah, il y avait le nom en dessous, en fait, j'avais pas lu. Ben moi, j'adore la carte. J'adore la carte parce que je trouve que c'est avec ça qu'on fait de la belle magie et qu'on fait du bon Boros. Si, imaginons... En fait, le cas dans lequel c'est trop bien, c'est le suivant. Vous jouez contre un deck contrôle. Vous êtes au tour 5. Il vous fait, pour 5 mana, Vraz. Donc, je détruis toutes les créatures. Donc, Cleansing Nova, par exemple. Vous, en réponse, vous faites ça. Mes créatures sont indestructibles, donc aucune de vos créatures n'est détruite. Et ensuite, donc lui, il a mis ses 5 mana engagés, il ne peut plus rien faire. Hein. Ensuite, à mon tour, je vais avoir 2 tours d'affilée pour jouer et pour te tuer. Généralement, si vous avez un peu agressé votre adversaire, bah, c'est win, en fait. Moi, je trouve que si Boros est jouable, ou même s'il n'est pas jouable, ça vaut le coup de splash blanc pour cette carte, honnêtement, dans un deck aggro. Ou de splash rouge, ça dépend ce qu'on joue. Parce que franchement, c'est... Ah ouais, je traduis cash le japonais, moi. J'en ai rien à faire, moi. Et du coup, voilà, c'est vraiment vraiment dingue. Je trouve, enfin, vraiment dingue. Ça sera peut-être que du side, mais la carte est super intéressante. Et rien que pour le play de « je détruis tes bêtes » ou même « je détruis ta bête ». Parce que si le mec joue, bah, par exemple, pour 3, je détruis une créature, et derrière, il peut rien faire. Toi, tu dis « bah non, tu la détruis pas ». Et en plus, je vais te faire 2 phases d'attaque. Et en plus, comme vous jouez 2 tours, vous pouvez faire... Donc phase d'attaque, j'invoque des bêtes, à mon tour refase d'attaque et phase d'attaque avec la créature que j'ai posée autour d'avant qui n'est pas la célérité, mais du coup c'est comme si elle l'avait. Du coup c'est dingue, c'est fou. Si vous posez par exemple la Aurélia, vous la posez, phase d'attaque, elle vous mettez +2/+0 à une créature, pan, et ensuite elle attaque elle-même en vol, vigilance, pétinement, 4-5 fly, paf. Voilà, ça peut vraiment faire n'importe quoi. Non, il y avait une carte qui mettait fin au tour et de ton adversaire, et ensuite, à ton tour, tu perdais la partie à la fin. Pas de chance, Bisounours. Du coup, voilà. Je pense que cette carte, bon, c'était la plus intéressante à parler, hein, des révélations. C'est pour moi une très bonne carte. Si Boros est jouable, ce sera joué dedans, à mon avis, et sera fort. Il y a de nouveaux spoils. Bah écoute, je mets à jour, je vais voir ça. Tout de suite. Ah bah ouais,
4 nouveaux spoils. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Ouh, Behind Stroll. Morgue Troll pour 3, c'est une 4-4 pétinement. Début de votre entretien, exilez une carte de créature de Péon Cimetière. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur dessus. Si vous pouvez une base, sacrifiez-le. Pour 2, défaussez-vous une carte, mettez un marqueur. Oh, mais j'adore cette carte, j'adore. Trop bien. Trop bien. Allô? Oui, c'est trop bien. Allô? Oui, c'est trop bien aussi. J'adore le Morgue Troll. Et en plus, le dessin est stylé. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Alors, vu que c'est 4 cartes allemandes, à mon avis, c'est un streamer allemand qui a eu l'exclu pour les montrer. Pour 4, Undercity Uprising. Ausfand der Understand. Les créatures que vous contrôlez à quel contact planté jusqu'à la fin du tour. La créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ouais, pas jouant construit, mais un très bon spell en limité, je pense. Alors, ça, 3-2 pour 2, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la belle magie, ça, j'en suis sûr. Alors 3-2 pour 2 portée, quand le Crawl Harpooner arrive sur le champ de bataille, choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas avec le vol. Il gagne plus 0 plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Puis vous pouvez faire que Crawl Harpooner se batte contre la créature ciblée. Et du coup, ça ne marche pas s'il n'y a pas de créature avec le vol en face. Après une 3-2 pour 2 portée qui peut gérer un peu n'importe quelle créature avec le vol, ça reste très honnête. Franchement, c'est sympa. Moi, j'aime bien la carte. Déjà, 3-2 pour 2 portées, rien que ça, c'est sympa. Et ça. Mais en même temps, si vous n'avez pas joué 1 million de créatures qui vont trigger Undergrowth, donc dans tous les cas, vous pouvez rentabiliser vos bêtes. Et puis Undergrowth, il faut pas avoir le maximum, il faut en avoir pas mal, mais ça sert à rien d'en avoir trop non plus. Alors, cette carte, j'aimerais bien la voir. S'il vous plaît, parce que celle-là je pourrais pas la traduire à moins qu'il y ait un deutschophone dans l'assemblée. Ce qui me chagrine dans cette situation, c'est que si tu le claques en réponse pendant le tour de l'adverse, la phrase joue un tour supplémentaire pour celui-ci ne fait pas que tu joues. Si un tour supplémentaire, donc normalement tu vas jouer ton tour normal, puis un tour supplémentaire. Normalement, hein. Si ça marche pas comme ça, la carte n'est pas bien. Enfin, elle peut être ok, mais ce sera du side, quoi. Salut Akado59, comment vas-tu? Bon alors, j'aimerais avoir le texte de cette carte, s'il vous plaît. Je vais essayer de le comprendre. 4-4 pour 5. Totenvelt, donc ça doit être Maki. Et non, je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas du tout. Some effect can give a player extra turn. Ah ok, d'accord, ça marche comme ça, Kawa. Merci du coup pour la précision, et effectivement, c'est pas top, c'est moins bien comme carte. Pendant ton tour, ça reste ok. Pendant le tour de l'adversaire, du coup, c'est moins bien. C'est moins bien. Ouais, ouais. Bah, du coup, je suis un peu déçu de cette carte. Après, c'était un petit peu pété, hein, sinon, mais... ouais. Bif bof. Du coup, je peux pas déchiffrer cette carte, donc je ne peux pas en parler, malheureusement. Je suppose que ça a le maquis. Et que quand il arrive en jeu... On fait quelque chose. Voilà. Désolé de briser le feu. Non, t'as raison de spécifier. Hein. Voilà. Donc, voilà pour les spoils. Je repasse sur le jeu. Elle est où? Elle est là. Yes! Et du coup, il nous reste une petite demi-heure. Écoutez, si vous voulez vous êtes encore 80, ça fait plaisir. Et on va se relancer un petit peu de folie de Momir. Voir ce qu'il nous propose ce bandit. Chaque carte de créature a un point de vie. Ouais, ça doit faire perdre un point de vie pour chaque carte de créature dans son cimetière. Trade quasi fini, d'accord. Ça reste quand même très ok.
C'est pas gagner un point de vie pour chaque créature. Ah, c'est peut-être gagner un point de vie, ouais. Du coup, c'est pas très bien. Enfin, même perdre un point de vie, en vrai, je crois qu'il y a une carte qui le fait déjà, et c'est mieux. Ça reste ok comme bête, comme créature, comme carte, pardon, la rouge blanche. Tu gagnes un PV, ouais, c'est pas dingue du coup. Bonne fin de soirée, Simon Jérémy, merci à toi. Ok, bon, il aura pas tout de suite son Planeswalker à Johnny. Ça reste ok. Oh, bon tour hein, ça. Mais je pense que. Ouais, le Lotlet Giant, j'aime beaucoup cette carte d'ailleurs. Avec Lich Mastery, tu time walk à 3. Ouais. J'avoue, c'est sympa. Ouais, je pense que c'est ok, mais c'est dur de dire maintenant si c'est jouable. Si rouge-blanc est un deck fort, ce sera joué dedans, je pense. Au moins un ou deux exemplaires. Si rouge-blanc galère, non, ce sera pas joué, quoi. Extra turn, c'est vrai que c'est très intéressant, quand même, rien que ça. Peut-être que la carte est pétée, on le voit pas venir. Hein. En fait, ça dépend du deck. Hein. Si vous mettez pour un mana bleu, jouer un tour supplémentaire, mais que c'est jouable que dans un deck mono bleu, par exemple. Et qu'en bleu il n'y a rien de fort, au final ça reste pas fort. C'est pour ça qu'à l'époque, pour 2 jouer un tour supplémentaire, c'était pas non plus abusé. À l'époque de l'alpha, de la bêta, parce que les decks étaient assez mous. On va pas se le cacher. Hop là, le petit Momirvig. C'est encore une île. Une 2-1 qui va pas faire grand chose, qui a un dessin rigolo, je trouve. Turbo Boros, j'avoue. Mais au lieu de fog les phases d'attaque, c'est toi qui colle les phases d'attaque. Ça protège pas de cette ouais. En même temps, heureusement, parce que sinon, c'est protégé de tout. Et salut, Pilumuralis. Ah, fait du bien quand même. Hein. On invoque nos bêtes en attendant d'avoir mieux que l'adversaire. Ok. Turboros, j'avoue. Eh ouais, je pense que Jace, on va pas te revoir de suite à mon avis. T'aurais déjà été teasé sinon. Ce petit mode, qu'est-ce que j'en pense? Ben c'est fun. Et pas grand-chose d'autre en fait. Ouais, je pense que c'est fun comme mode, mais voilà, c'est que fun quoi. Non, hop là, allez plutôt. Mais c'est cool, je pense que c'est un peu ce dont il n'a pas de portée. Non, je vais attaquer avec ça. C'est un peu ce que Magic Arena avait besoin, je pense, juste avant la rotation d'un petit peu de fun. Qu'il veut faire là, en fait? Il a pris deux, c'est tout. Bah, je vois plus les cartes quand je pose ma souris dessus, c'est bizarre. Ah, ça a bugué, parfait. C'est formidable. 3-3 flash, ok, qui fait rien. Il m'attaque avec tout. Célérité, lien de vie, ouais, bah je vais bloquer comme ça. Je vais bloquer comme ça. Ouais, je vais bloquer ça aussi. Je pense peut-être les reprendre, non? Hop là, on pose ça. X égale 5. Ouf, c'est bon, je peux encore cibler. Exactement, Lancelot. Et j'ai eu un 3-4 fly, ok, c'est cool. Ouais, j'avoue que ça peut être une bonne solution, peut-être ce qui manquait à Boros, mais bon, s'il faut une carte de cette puissance-là pour que Boros soit viable, c'est quand même triste pour les pauvres gobelins et soldats, quoi.
Il réattaque avec tout. Bah écoutez, moi je vais encore bloquer avec ça. Je vais bloquer ça et je vais bloquer ça. Ça fait quoi ça? Ok. Est-ce qu'on va avoir Benzenok? Oh! C'est un bon bête ça! Bah ce petit Momir m'amuse bien. Surtout quand j'éclate mon adversaire comme ça. XL Tiki. Ça fait toujours plaisir. Ouais, ce stream est passé à toute berzingue, n'est-ce pas? 74 viewers, merci toujours d'être là. Parmi nous. Ah, il est un peu déçu lui. Le petit chiol de cauchemar. Ah, n'hésitez pas à checker le Discord et la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Il y a plein de belles magies qui s'y passent. Et là, même si c'est une période un peu compliquée pour les pour le contenu vidéo, pour les streams et tout ça, à cause du fait qu'il ne se passe rien, un peu sur Magic Arena, on va pas se cacher. Ne vous inquiétez pas, pour Ravnica, on vous a prévu du très très lourd, et ça arrive, ça vous fait plaisir. Demain soir, n'oubliez pas le live solo de Val à 21h, beaucoup de belles magies, je pense qu'il va faire un peu de tryhard, 3, 4, 5, 6, 7. Et à 20h30 jeudi, ouh, bien ça, 20h30 jeudi, on va faire une petite... non, je ne paye pas. On va faire une petite soirée stream jeu de société. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On change un petit peu de l'accoutumée. Et puis voilà. Et merci pour tous les liens en saut. Voilà, n'hésitez pas à aller checker ce qui vous manque. Toujours plein de belles magies. L'Atlas, bah, c'est trop tard, l'Atlas, malheureusement. On va défausser. Hop là, j'ai failli jouer mon land encore, le réflexe. On envoie. On a eu quoi? Oh, bonne bête. Bah, du coup, on attaque avec ça, ça, ça et ça. Parce que en fait, il peut bloquer qu'une des deux vols. Et avec ça, il va perdre forcément un point de vie. Non. Teasing de jeu que vous allez faire. Teasing de jeu. Alors, je pense qu'à deux, c'est pas très fun. Mais on va tester ce jeu puisque Val me l'a offert il n'y a pas longtemps. Fantasy. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce jeu. Et on m'a beaucoup dit, si tu joues pas à 3 ou 4, c'est moins, c'est pas dingue. Salut, j'ai les bons tuyaux. Mais oui, bon, de toute façon, tu es mort, j'ai un adversaire. Ah non, il a gagné un point de vie. Ah si, c'est bon. Mais on fera une petite partie ou deux, histoire de voir ce que c'est. Et comme autre jeu, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Peut-être un petit Sun Tzu, je pense que c'est très sympa à voir, ou un smash up à voir. Et on continue ce petit Momir. Salut Rallye M4. Alors, je fais le plus possible de draft sur MTG, mais je fais souvent moins de 2 wins. As-tu quelques conseils, astuces? Un peu de Shifumi? Oui, pourquoi pas du Shifumi. Bonne soirée, Jay Saoté. Et merci de passer comme d'habitude. Des conseils, alors on va faire une vidéo de conseils pour le draft à Ravnica. Là on l'a pas encore fait parce qu'on attend le nouveau format, histoire que ce soit plus intéressant. Et ah, c'est bien nul ça. Et du coup des conseils très basiques, parce qu'après ça s'applique pas tout le temps. Faut pratiquer le format pour le connaître, déjà voir les couleurs qui sont fortes, renseigne-toi un peu sur internet, savoir si dans le draft Ixalan par exemple c'est blanc-noir qui domine, etc. Et quand tu commences à drafter, prends d'abord les sorts anti-créatures, c'est important de les avoir. Donc c'était first pick généralement pour t'orienter, enfin moi c'est comme ça que j'aime faire. Ou alors des créatures très fortes, enfin ou des sorts très forts. Et ensuite petit à petit tu construis un deck avec... assez de tour 1, de tour, enfin surtout de tour 2, tour 3. Jason23 Magic, bonjour, tu dois être un abonné. Attendez. Du coup, ouais, voilà, j'ai pas énormément de conseils à te donner pour l'instant. Oh bah tiens, je rate sa main et je vois qu'il a des terrains. Et oh, j'attaque, tiens, je sauce.
Et puis voilà, on a te concentré d'abord sur les anti-bêtes, essayer de curver, donc d'avoir 4-5 tour 2, 4-5 tour 3, 3-4 tour 4, 3-4 tour 5, enfin 2-3 tour 5 et un petit peu genre 1 ou 2 tour 6, 7. En général, ça fait une belle curve de faire comme ça. Après, tu peux jouer beaucoup de tour 1 et 2 et 3 pour être aggro, enfin tour 1 et 2 surtout. Tu peux jouer un peu moins si le format est plus lent, enfin ça dépend vraiment quoi du format quoi. On peut faire momir à 0. Oui, tu peux faire momir à 0, mais du coup il y a que Orni ouais, que tu veux invoquer. Ah c'est vrai que du coup quand je pose un land, je pourrais ah non, on est obligé de discarder une carte donc non. C'est dommage. X égale 3, on envoie un marais. Oh, une 2-2, vol célérité, c'est bien ça. Ça colle bien les points ça. Ouais, 3-2 qui sert à rien. Enfin, 3-2 quoi. Allez, on se retente une petite créa vol avec la célérité. Ouais, pour 4 mana, je sais pas s'il y en a. Ah, dommage. Dommage que ce soit trigger avec des rondins, sinon là j'étais Royal Obar. Royal Obar pour boire au comptoir. Piquante sa petite merguez. Ah, c'est marrant, chaque fois que quelqu'un utilise un kappa, on sait pas trop ce qui va arriver et tout ça. Vous allez faire les AP avec Val. Alors moi c'est compliqué en ce moment puisque je suis dans un déménagement à tout instant. En gros je devais signer un bail pour vous raconter ma vie, tiens. On en profite. Ok, bah, ça va mourir. Je peux pas la bloquer? Ah non, je peux bloquer qu'avec des esprits. Ok, bon, du coup, je vais bloquer comme ça. Je devais signer le bail aujourd'hui et je me suis rendu compte au dernier moment, même si mon proprio m'avait dit qu'il y avait la fibre, qu'elle n'était pas installée dans l'immeuble. Et du coup, avec un débit ascendant de moins d'un mégaseconde, impossible de streamer, donc pas possible pour moi de prendre l'appartement, alors qu'il était vraiment super. Du coup, j'étais très déçu aujourd'hui et je continue ma recherche d'appartement. Et du coup, les AP pendant un week-end, ou même pendant juste une journée d'un week-end, ça va être compliqué pour moi parce que je vais certainement devoir soit acheter des meubles, soit déménager, soit empacter des trucs, enfin voilà. Voilà pourquoi moi je ne pourrais pas faire d'AP je pense. 4-4 qui fait quoi? Quel piétinement? Oh c'est sympa. Ah mince, il y a une créa qui vole maintenant. Pas l'attaquant. Mais si je peux, avec plaisir oui. C'est dur, et ouais c'est dur, parce qu'en fait, bon, la propriétaire ne savait pas, hein, mais la fibre est installée dans l'appartement, mais n'est pas raccordée. Et le raccordement, c'est chaque opérateur qui doit le faire, et ça prend en moyenne un an. Donc, c'est beau d'essayer de contenter la communauté. Eh ben écoute, ça fait plaisir, hein. Ouais, parce que je vous avoue que moi, si je n'avais pas streamé, c'était largement suffisant. Mais le problème c'est que oui, je faut pas que je pense à moi de le dire, mais si je prenais cet appart, fallait que pour faire mes streams solo et les streams à deux, on trouve un endroit. Chez Valentin c'est pas possible, chez sa copine c'est difficilement possible et c'est chez sa copine, on n'a pas envie de l'embêter. Chez ma copine pas possible, chez mes parents... Pendant encore un mois, deux mois, ça aurait été possible, mais c'est compliqué. Et louer un local, ça coûte de l'argent. Trop. Donc voilà, c'était juste se mettre dans une situation pas agréable, en fait. De prendre cet appartement, malheureusement. Et j'ai envie de continuer à streamer pour vous, les petits cocos. Donc du coup, voilà. Mais enfin bon, c'est pas grave, hein, j'en trouverai un autre. Oh, bah un dragon chivant, c'est très bon ça. Très très bon. Je vais attaquer juste avec ça. S'il me bloque les deux, moi je tue sa 3-2. Bon voilà, il me bloque pas. Sa 3-2 avec aisance et subtilité. Donc faites des dons, dis lance-toi. Ezekiel Mox, salut tout le monde, et bah salut à toi.
Et merci de passer, faire un petit coucou, vous êtes toujours 71, merci beaucoup. Si, si, je veux habiter avec elle justement, mais c'est ça qu'on cherche, on cherche un appartement à deux. Je dis, ouais, je cherche un appartement, mais on cherche un appartement tous les deux, et voilà. Et pas sur cette phrase. Du coup, Dragon Chivant, c'est pas mal. Je vais attaquer avec. Je crois qu'il n'y a rien à 6 qui avait la célérité. Je vais tenter, j'ai envie de me prendre Benzenlock et de auto-mourir pour rigoler. Il me bloque les deux. Ok, bah moi j'ai tué deux bêtes pour win, ça me va tout à fait. Blessure. Voilà, très bien. Pan, pan. Et Momir. Allez, on envoie. Oh, bah le Tempest, le djinn de la lampe. Zayd, le djinn de la lampe. Très très bien. Momir. Qu'est-ce que Momir? Alors Momir est un format alternatif créé sur Magic Online à la base et qui permet en fait de se défausser d'une carte, de payer X et d'invoquer une créature aléatoire de X, ayant un coût converti de X. On n'a pas gagné là? Ah, il a bloqué ça. Ah non, on n'a pas gagné là. Oh, on a gagné là. Thanks, Captain. Donc si, il y avait une bête à 6 qui avait la célérité et le vol en plus. Ouais, c'est plutôt marrant, c'est full RNG, ça ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas donc le format à la base, à un bras de fer d'Hearthstone en fait. Il y a des bras de fer qui ont fait la même chose, qui étaient du coup inspirés du Momir. Hearthstone n'a pas inventé ça. Oui, la carte existe réellement, parce que c'est une carte dans Magic Online qu'on voit. Il me semble, hein, c'est pas une icône, comme là. Et je ne sais plus ce qu'elle fait. Oh, Fonge-Pied, quelle magnifique récompense. Du coup, on a 2-0 avec ce deck. Trop fort ce deck, jouez-le. 12 basic land de chaque. OP. Vous êtes sûr de cœur V, c'est magnifique. C'est un avatar, Momir. Je suis en train de me dire, ouais, je garde cette main ou pas, mais en fait, j'ai pas le choix. Toujours tenter au tour 1 pour essayer d'avoir un elfe ou quoi. Oh, bah c'est bon, ça, c'est un très bon tour 1. 1, 2 pour 1 qui crée des jetons. Des artefacts très très forts. Le meilleur mode pour se faire des gold, bah, c'est de faire tes quêtes et tes victoires. Et si tu arrives à faire au moins 4 victoires, de faire des quick constructed. En draft, non, tu vas pas faire de gold du tout, tu vas faire des gemmes en plus. Ouh, ça c'est un très bon tour 1 aussi qu'il a eu. Il peut s'en servir qu'une fois, mais... Mais franchement, solide. Ouais, on a démarré. Bah, c'est aussi bon, ça, hein. Ça va grimper tout seul. Sympa. Ouais, j'avoue, j'aurais dû mulligan. Petite fin de stream tranquillou. Je vais voir si cette partie n'est pas trop longue, j'en relancerai une après. Sinon nous allons nous quitter dans peu de temps.
Avec les golds, acheter les boosters de l'extension qui s'intéresse. Oui, exactement. Ouh, un petit token trésor, ça fait plaisir, ça. Pas d'attaquant, parce qu'il pourrait me double bloc ça ou ça. Bon, du coup, il perdrait son protecteur skirkien, mais bon. Merci Losios pour le petit texte de l'effet de Momir. Vous allez faire des guides de construction de deck car juste copier des listes ne peut pas fonctionner au ménage. Alors oui, on va faire à notre niveau hein, des tutos deck building. Mais il faut savoir que au début, vouloir créer un deck de ses propres mains et gagner, si vous jouez que contre des gens qui font la même chose que vous, ça marche. Enfin, ça peut marcher. Si vous jouez contre des gens qui jouent top méta, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, ou ça marchera difficilement, en tout cas. Parce que généralement, les decks top méta sont de très bons decks qui sont faits pour vaincre la plupart des autres decks avec une stratégie, une alliance de cartes fortes, etc. Donc du coup, quand tu commences le jeu, te dire « je vais créer mes propres decks, ça va être trop fort », non, c'est très très dur de faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a des professionnels, c'est leur métier de créer des decks et de gagner avec. Et de tester. Mais à notre niveau, on fera quand même du deck building pour vous expliquer comment sont créés un peu les decks, ce qui se passe quoi. Mais en fait, c'est bien, enfin, il faut apprendre à les jouer, donc faut pas commencer avec les decks top meta. Mais quand vous commencez un petit peu à savoir jouer, plutôt que d'essayer de créer des decks et de vous faire éclater et de vous dire « Oh mince, ça marche pas ce que je fais », enfin, jouer un deck déjà top meta pour apprendre à bien jouer et avoir un deck qui peut gagner, je trouve que c'est bien, perso. Après, je dis pas ne créez pas, je vais créer des top méta. Non, pas du tout. Moi, je préfère la création. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est pas mal. On l'attaque pas. En F1, il y a des pilotes et il y a des mécanos. Exactement. Ou des decks mid méta parfois plus simples. Oui, voilà. Ou alors pour commencer avec des decks simples. Mais c'est vrai que il y a trop de gens, et généralement tout le monde, hein, moi-même j'étais comme ça. Hein, qui veulent commencer Magic, ils comprennent comment ça marche, ils disent « Ah, je vais créer mon deck ». Il y en a qui achètent des cartes et tout, qui se ruinent pour créer un deck qu'ils n'ont pas pu tester avant. Ils essayent, ça marche pas. Et ils comprennent pas, ou alors ils disent « Mais c'est nul et tout », et des fois ils arrêtent Magic. J'en ai vu faire ça. Et je me désole, je me dis « Mais... » Enfin, c'est tellement dommage, parce que c'est pas comme ça Magic, et c'est un jeu compliqué, et du coup, si l'art de la création de deck est aussi abouti, c'est parce que... Justement, c'est un magnifique jeu compliqué et il faut passer. Voilà, si vous passez le brevet avant le bac, il y a une raison quoi. C'est parce qu'il y a des niveaux et il faut y aller progressivement. Sauf si vous êtes un génie. Et si vous êtes une génisse, bah, dans ce cas, vous êtes un animal et c'est encore plus dur pour vous, jeu Magic. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Là, du coup, je craque mon token pour avoir un tour d'avance sur lui, voire deux même, parce que lui, il vient de faire un tour 4, moi je fais un tour 6. Et on va voir ce qu'on a. Et on a eu quoi? Une 4-4 défense talismanique? Ouais. Ouais. Et aucun attaquant. Et du coup là, vous voyez, si j'avais créé un tour 5 là, tour prochain, j'aurais pas pu faire un tour 6. Alors que là, à mon tour 5, j'ai pu faire un tour 6. Et à mon tour 6, je pourrais refaire un tour 6. PL qui veut vraiment son Benzenlock. Ah moi, je le veux, moi. Je me Benzenlock, je me meule tout, fin de la partie, et on n'en parle plus. Y a pas des masses de pilotes mécano, j'avoue. Qu'est-ce qu'il m'a joué là? J'ai pas vu. La force et endurance, hein, double du nombre de créatures que vous contrôlez. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est horrible. Donc c'est une 10-10 vol. Oh, il va m'empêcher de jouer. Oui. Il y en a 10-10 vols les gars quoi. Et j'ai écrit quoi? J'ai pas vu. Ah, improvisation vol pour 2, il y a plus 2 plus 0. Bah, ça bloque les 10-10 mais bon. Ça va être une 12-12 là. Ah, c'est trop fort. Oui, il faut créer des decks d'Estimen 86 mais il faut aussi bien apprendre à jouer avant de créer un deck.
Parce que sinon tu vas... Oh putain, il y a une chatte lui. Sinon tu risques en fait de créer des decks qui marchent pas comme tu veux ou quoi. Et en fait il n'y a rien de plus frustrant que de passer du temps à imaginer créer un deck. Tu joues, ah ça marche pas. Et justement tu vas encore plus rager puisque tu vas perdre, enfin tu risques de perdre contre des decks qui sont top méta. Et du coup tu te dis moi je fais l'effort de pas jouer ça, mais je perds contre ces decks là. Du coup faut voir après contre qui tu joues. Mais oh merci beaucoup à Fludibudihu pour la belle magie. On va prendre 12 dégâts hein, parce qu'elle a lui donné une bête comme ça. Bon bah elle a pas le choix, faut y aller. Moi aussi j'ai le droit d'avoir une grosse bête. J'ai vu une grosse bête. Voilà, pour créer des decks, faut aussi savoir contre quoi tu peux jouer. Donc, dans tous les cas, c'est bien de s'intéresser à la méta parce que tu te dis, tu peux créer des decks qui sont hors méta, c'est-à-dire qui ne sont pas attendus et qui détruisent les decks de la méta justement. Et du coup, c'est super fort. Sauf qu'il faut que tu connaisses au moins la méta pour faire ça. Ça fait quoi ça? Ouh, c'est sympa ça. C'est sympa, 6-6 vol. J'ai pas assez de vol pour bloquer ça. Et lui, il a trop de créatures. Qu'un attaquant, on va voir. En plus, ouais, le meilleur moyen, comme dit Adelnikov, de connaître un deck, c'est de le jouer. Donc, c'est... Ah, ça m'arrange. C'est bon. J'ai eu peur. Oh là là, le retournement de situation. Merci à toi, Gaelion77, et bonne nuit. Incroyable. Incroyable. Ah, je suis saucé. Hop là. Non, 6, j'ai pas 7. Oui. Incroyable ce qui vient de se passer. Et j'ai un petit étali. Et du coup, je peux lui mettre 10. C'est pas mal de mettre 10. Ah non, parce que si jamais il a une créature vol... Attends, il peut avoir menace, portée, piétinement, vigilance. Je vais mettre 6. Déjà tranquille. Et on verra après. C'est incroyable ce qui vient de se passer, on est d'accord là. Je vois pas le chat réagir, mais... Donc quand bien M. Chen sert à rien, t'as de la chance sur l'Azor. Le mec est cheaté, j'avoue. Genre, j'ai de la chance sur ce que joue mon adversaire. Ah, bah par contre ça, ça m'emmerde bien fort. En plus, il n'y a quasiment aucune de mes créatures qui mourrait. Enfin, mes 2-1-2, mais bon, ça, je n'en ai cure. C'est dingue. Hop là, on n'a pas le temps de poser des landes, nous. Hop là. On envoie. Une 6-7 défense talismanique, c'est pas mal. Au cas où il a le vol, hein, je garde toujours une créature bloqueuse pour ne pas mourir. 12, et puis on va gentiment le tuer, en fait. Hein. Si ça continue comme ça. Ah quoi que, c'est quand ça arrive en jeu ça? Ouais, il risque quand même de mettre des bonnes bêtes. Hein. Ah ouais, il gagne 5 PV. Ah, improvisation vol. Du coup, il gagne le vol avec ça. Ok, compliqué. En fait, il gagne des points de vie et il a une méga grosse bête. Ça me dérange de ouf. Et du coup on bloque hein, parce qu'on n'a pas envie de mourir en fait. Si ouais, mais il y a tellement de drop 4 que je pense que c'est compliqué de tenter ta chance là-dessus. Donc je tente juste des grosses bêtes. 6-5 qui fait rien. Et je crois que je vais perdre, j'ai rien qu'à la portée là. Et non, j'ai que ça, donc du coup il va m'attaquer avec deux trucs. Si j'attaque avec tout... Non, il a que des bons blocs, je crois. J'attaque avec tout pour l'honneur, parce que je peux pas survivre. Et puis on verra bien. Stratégie d'avancer par un autre esprit malade. Ouais, Chupa, c'était bien aussi, ouais. Quoique, vu que je forçais à bloquer... Ah non, mais je tue qu'une bête, je suis con.
qu'une bête c'est une 8-8, ils vont reposer une, c'est une 10-10. Bah, bien joué mon adversaire. Ouais, je veux pas voir. Ah mince, j'aurais pas dû concéder. Parce que ça se trouve, il mettait quelque chose qui brassait le bord ou quoi. Mince. Quelle erreur! Bon, à mon avis, pour 7, y a rien qui retourne la situation là, mais... Sait-on jamais. Écoutez, je vais en relancer une petite, il se fait quelle heure? 23h. Et puis je vais vous dire au revoir gentiment. Il n'y aura pas de stream de Kyo après, puisqu'il est en vacances actuellement. Donc voilà, ce sera la fin de votre soirée de Magic, de votre journée de Magic. Pour ceux qui ont regardé les streams de Kina, Dean et de Kawa aujourd'hui. Et puis voilà. Et ben bonne nuit Rallium 4. Un petit Benz pour la forme. Ah, j'avoue que j'aurais bien aimé me finir tout seul avec... Avec Benz & Locke, me finir tout seul, très, très drôle comme phrase. Mais je ne l'ai point eu. Mince, j'aurais dû jeter une plaine. Ah, encore ce petit motivateur gobelin qui est très sympathique. Ah, il est sur l'épaule d'un géant, je n'avais pas vu. C'est vachement bien d'avoir en tour 1, parce que ça permet de... De donner célérité à tout ce que vous invoquez en fait, simplement à chaque tour. Bon bah ça je donne même pas célérité. Je mets juste le point de la honte. Je peux donner célérité à mon adversaire. Ok, il ne joue pas. Il veut jouer sur le long terme, fort bien. Je joue Mardu apparemment. 4-2, bah voilà. Ça va bien l'aggro. Ouais, je suis content de ce petit momir, hein. C'était rigolo. C'est full RNG, mais bon. Logiquement, vous êtes censé faire 3 victoires de défaite, hein, vu que c'est full RNG. Ça devrait à peu près se nullifier. Enfin, ça dépend si vous chattez, vous pouvez faire plus. Si vous déchattez, vous faites moins. Mais vu que ça s'en remet à la chance, si vous avez une chance. À peu près moyenne, comme la moyenne des hommes, vous devriez faire en général 3-2. C'est ça totalement improvisé par PL. Jund, non, c'est rouge, vert, noir. Là, j'avais noir, rouge, blanc. Célérité, oh bah, que demande le peuple? Il a une 3-1, bah écoute, je vais attaquer avec tout. Parce que s'il veut me bloquer ça, certes, je perds la célérité, mais lui, il aura pris cher. Il préfère me tuer la 4-2 de toute façon. Non, il veut me tuer le gobelin. Il aurait quand même pris 8, il passe à 6, il est pas frais quoi. Voilà, il passe à 9, il est pas non plus super frais. Bah c'est pas fort ça. J'aurais bien aimé me finir par un petit Benz & Locke, mais je crois que ça ne se fera pas. Ah, quand il meurt, ça trigger quand même si c'est un jeton en fait. Donc j'aurais pu attaquer. Est-ce que vous auriez des petits jeux à nous recommander en... Des jeux de duel, hein, donc en 1 contre 1. Pour notre petite soirée là, ou pour des petites soirées, parce que si ça vous plaît on en fera plusieurs, ben moi je sacrifie ça. Pendant qu'on finit ce petit stream là tranquille. Oh, zombie très très joli. Ça vaut le monde dans ce duel. Ah ouais, je l'ai vu, j'ai failli craquer, mais j'attends de voir si ça plaît la soirée, mais... C'est un petit jeu de cartes qui perce un peu, alors ça me dit rien du tout dans ce lot, et si je connais pas, à mon avis, c'est que c'est pas bon. Braulala. Envoyé. Oh, tiens, je te tue, toi. Oui, pan. Yes. Crac, je ne connais pas.
Ah oui, crack, pardon, j'ai failli craquer, crack, ok. Seven Wonders Duel, ouais, bah, je pense, si cette soirée plaît, que les gens, ça leur dit d'en voir plus. Peut-être même sur la chaîne, d'ailleurs, des vidéos de jeux de société, pourquoi pas. De temps en temps, une petite vidéo bonus, comme ça. Je pense que, ouais, Seven Wonders, il va y passer, quoi. Puisqu'en plus, ma copine aime bien les jeux de société, mais elle n'en connaît pas beaucoup. Elle a pas eu l'occasion d'en jouer à beaucoup, mais elle kiffe bien ça, donc si jamais je peux recycler des jeux qu'on ferait en live ou en vidéo, et en plus de jouer avec à la maison, bah, c'est top. Voilà, et bah écoutez, je vais finir là, ceci, parce que je sais très bien que si je me dis, allez, j'en relance une, je vais faire une victoire, j'en relance une, je vais faire une victoire, donc du coup, ça n'en finit pas, et demain, je commence tôt. À quand le Monopoly? Et bah, Monopoly, je pense que c'est dur de jouer sans rager. Surtout connaissant ma chance à au jeu en général, et encore plus ma chance au Monopoly, je pense que ça peut faire encore pire que le draft, que le Winston Draft pour ceux qui y étaient. Souvenir. Colon de Catan, jeu de cartes 1v1. Ok, Catan aussi, on en a parlé, ça a l'air cool. Carcassonne, je sais pas si c'est un 1v1, mais on en a beaucoup parlé comme jeu aussi. Bah, merci pour les petites suggestions de jeu. N'hésitez pas à nous follow sur Twitch, à vous abonner à la chaîne YouTube, à checker nos dernières vidéos. Pour les débutants, on a fait une vidéo mots-clés, pour ceux que ça intéresse, ce qui explique tout pour bien comprendre donc les mots-clés. Kingdom Builder, ok, bah je marque tous ces petits noms dans ma tête et je checkerai ça à mon magasin favori de jeux de société. Ok, bah cool, Tolzimir, bonne nuit vraiment à tous, mais vraiment à tous, hein. Pas bonne nuit à quelques-uns, bonne nuit à tout le monde. J'espère que ce petit stream détente vous a plu et que ce petit momir. N'oubliez pas demain soir 21h le stream de Val, soyez nombreux, sortez couverts. Non, c'est pas ça qu'on dit. Jeudi 20h30, notre stream en duo où on fera les petits jeux de société. Si on peut le setup correctement, voilà, si on n'est pas satisfait de la qualité, on passera sur du Magic Arena, mais normalement, ça devrait le faire. Et puis voilà, à bientôt pour de la belle magie. N'hésitez pas voilà, à nous rejoindre sur le Discord, sur le Twitter, sur le Facebook pour ne rien louper. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.